الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في هذه البنيشة الإلهية سلوكي وصفابية أصدقى الحمد لله من الإيمان الملكية سلوكي وصفابيشون الليون كنت فينا الابيديمي كين بولفيس لافي كوجيمون بوكوجيمون الحمد لله نبقى بابا فينا ندورة مالغي ستن غيطور ومالغي ستن سانزمان دان لير كين فينا أبويدي رميسيمان والله سبحانه وتعالى سلوي كي لفين كيدنو et celui qui nous dépanne nos lits et nous présente nos commandements entiers envers lui pour qu'il maintienne à nous la guidance. La guidance, mon frère, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui honore celui qui nous l'est, celui qui me mérite lui. Et bien la doute qui ça lui repose principalement l'homme sincérité. Il y a beaucoup de gens, peut-être, beaucoup plus intelligents que nous. Il y a beaucoup de gens, peut-être, il y a beaucoup plus de connaissances que nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, les guide celui qui l'oublie. Allah subhanahu wa ta'ala, les guide celui qui l'oublie. Alors, demande à Allah Rabbul Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les guide nous nos chemins droits. Pena, ni grand cas, pena. Quand cadeau qui s'appelle qui prend le nez à qui ça même qui s'en a qui s'en a ou des bruits comme opposant même qui s'en a qui critique pour faire même qui s'en a qui vous dit qui va vous dire alhamdulillah c'est une relation en toi avec Allah c'est une relation en toi avec Allah c'est pas une question gagnée c'est pas une question perdue c'est une relation en toi avec Allah subhanahu wa ta'ala donc nous, le programme aujourd'hui, c'est avec titre le sectarisme d'après parole de Ban Ulama. Et l'objectif derrière ce programme-là, en vérité, Ban Frère, c'est une réponse. Une réponse à un appel qui certaines peuvent faire ouvertement ou en cachette pour considérer Al-Houdawanour comme un secte. Pour considérer Al-Houdawanour comme un secte. Alors, nous programme aujourd'hui, c'est réponse à cet appel-là, ou qui fait faire Al-Houdawanour confiance, et qui vous parle Al-Houdawanour pendant plus de 20 ans. Est-ce qu'il prend même Al-Houdawanour, c'est un secte? Est-ce que c'est sa cause qu'il vous fait mort avec lui, ou qu'il supporte lui, ou qu'il compte en certaines pour Al-Houdawanour pendant un certain moment? C'est à cause ça, ou bien toujours reste dans sa famille, Al-Houdawanour là, ou bien c'est là pour quitter à cause Allah ou bien quitter lui. Donc, le sectarisme, mon frère, il est facile pour dire Al-Houdawanour c'est un secte. Il est trop facile pour dire Al-Houdawanour c'est un secte. Et ce qui comique là-dedans, c'est. Et dans certaines, le Facebook, ou bien avec certaines dimensions, les préfets appellent boycott Al-Houdawanour. Al-Houdawanour, c'est un secte. Ça même dimensions là, avec les autres, les gens nous, pas considérer Al-Houdawanour, c'est moi. Et dans certaines petites choses qui nous pas d'accord. Et dans certaines petites choses qui nous pas d'accord. La même, là, mon frère, ça prouve tout, Alhamdulillah, qui. Ce qui se vient vite vers ça, ce que même je n'ai pas croire là-dedans. C'est une amitié, la haine dans les guerres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Et la certaine des capacités, Al-Houdawanour, c'est un secte. Si vous demandez, mais qui était sectariste, quand un groupe est considéré comme un secte, et basant leurs paroles, qui va dans l'ulama, qui nous visait considérer Al-Houdawanour comme un secte, alors ce n'est pas pour la parole personne, excepté cette propre parole.
Tandis qu'une autre couronne, c'est le charisme. La parole de Marouama, c'est sa panne en guimauve, qui s'éteint capable. Mais on l'évite avec ça, pour grâce à l'Oudawanou, pour. Voyez, il y a un davan à l'Oudawanou, alhamdulillah, nous n'avons pas la réponse de Marouama. Et ça va faire, c'est un bonheur, ben nous. Elle va une façon qui nous fait la différence en groupe de la vérité et ben qui dans légalement. Parce que ben, groupe de la vérité, c'est un groupe qui, en obéissant par Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul, nous donne valeur à ben ulama. Nous donne valeur à ben ulama. Et tout le temps, Ahlul Haq, Ahlul Sunnah wa Jama'a, Al-Salafiyya, Ça c'est l'emblème. Nous n'avons pas suivi aucun alim, même qui s'en l'a été, même pas Ibn Sahaba, même si c'est Ibn Mas'ud ou Ibn Umar radiallahu anhum, même qui s'en l'a été, nous savons Ahlus Sunnah fait suivre un alim aveuglement. Mais Ahlus Sunnah wa Jama'a fait tout agir. Il n'est pas possible Ahlul Haqq. C'est bon qui, à la tête, pas devant Pena, ben Alim et ben Jahil. Ahlul Haq, tout le temps, c'est bon qui, à la tête, c'est ben Alim. Donc, dans l'époque de Ben Salaf, dans l'époque, qui s'en a qui l'a la vérité, qui s'en a qui vient vite trouver la vérité, qui s'en a qui a besoin de place, ou alors besoin de confiance, le lit, c'est celui qui, quand il vient vite ou on peut trouver, il vient vite trouver ben Ulama. Ou de Pétrou, les bien vite couvert par Olama, les pas bien vite couvert lui-même, les pas bien vite couvert vers ce qui sera une explication, ce qu'il a inventé dans ce laté. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah, ati'u Rasul, wa quli l'amri minkum. Au bain qui n'a pas d'iman, obéis à Allah, obéis le message d'Allah. Et obéir à Ban et Ban qui n'a que l'autorité parmi eux. Au Ban qui est l'imam, obéir à Allah, obéir au messager, et Ban qui n'a l'autorité parmi eux. Comment Ban Salaf Mujahid, et les autres Ban Salaf dire, qui sont la Ban qui a l'autorité, qui Allah permet de nous poursuivre Ban, comme le Fouqaha ou l'ulama. C'est Ban qui a connaissance, fiqh. Ben qui a la compréhension de l'île et ben l'ulama. Donc Allah peut de nous pour qu'il nous suive ben l'ulama. Allah peut de nous pour suivre ben l'ulama. En relation avec nous, sixième, est-ce qu'il y a un Oudawano, c'est un sec ou bien non? Nous disons si, d'après parole de ben l'ulama, l'Oudawano c'est un sec, ou n'a pas gagné droit rester dans ce groupe-là. Mais si, ce n'est pas parole de Ban Ulama, c'est parole de Ban Jahil qui peut contredire parole de Ban Ulama. Alors, ce n'est pas moi qui vous dis que vous êtes une ferme, ou une stène qui vous prend, ou bien pour être fier de sa famille qui vous vient, ou sentir un membre là-dedans. Mais où, si on comprend, l'islam ne prépare pas Allah, l'islam c'est pour Allah, et nous devons pratiquer l'islam pour qui nous être Allah protège nous pour tirer l'enfer. Alors, pour bien connaître où, dans quelle direction on peut aller, et avec qui ça n'a qui, au bien de nous, au coup de main. Un point, ma parole de l'ulama, Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, parce que ça y est la même. فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء. من علماء لو سلفيلا زبكم عزيز من زتوال لو لشيل. من علماء زبكم لو لتيا زبكم عزيز من زتوال لو لشيل. بهم يهتدي الحيران في الظلماء. إيه سيعتقد من علماء من كمان أنسي أنكي بابيكون يكتوالي ألو سيعتقد من علماء qui, ben, qui dans l'indécidence, dans cette obscurité complète, alors, cette ville, la guidance, ben, dis-moi, qui ne paye ce chemin, à travers un ulama, cette ville, au chemin droit, wa hajatun nasi ilayhim, a'adam min hajatihim, ila ta'ami wa sharab. Ibn Qayyim, rahimahullah, dit, le besoin de ben, dis-moi, ou ben, ulama, nous avons besoin de ben, ulama, et ça besoin là, les plus qui,
besoin d'insan pour manger et boire. Pareil quand nous allons et boire, pour God nous les pour vivants, nous avons besoin de manger la main, pour God nous iman vivant, pour God nous as-salafiyya vivant. Il dit, wa ta'atum afradu alayhi min ta'at al-ummahat wal-aba bi nass al-kitab. Basant leur parole Allah, basant le texte qui est dans le kitab du Coran, basant leur parole Allah, les prix obligatoires, le nous, pour suivre un ulama qui suivent nos mamans, nos papas. Donc, c'est ça, nous programme à ce jour. Alors, nous pétons 7, 7, 7. Est-ce qu'il faudrait même, à l'Oudawadour, bien 7, les bienvenus pouvaient être sectaristes, ou bien, alhamdulillah, nous loin de ça, et au contraire, nous faisons faux pour aller ouvert à Salafia. Alors, avant nous commençons à savoir la réponse là, effectivement, comme une introduction, premièrement, nous vous demandons pour nous écouter parole Allah subhanahu wa ta'ala. En premier, un avertissement Allah subhanahu wa ta'ala contre le sectarisme. Bismillah, alhamdulillah, as-salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. الله سبحانه وتعالى لديا dans سوره روم سوره 30 ايات 31 32 الله تبارك وتعالى لديا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله تبارك وتعالى لديا parmi من المشرك parmi من المكريان parmi même qui fait une division dans le dîn Allah subhanahu wa ta'ala. Et je viens, ben c'est chaque groupe réjouit avec ce qu'il fait une dîna avec lui. Dans cette ayat-là, al-mushrikin farraqou dînahum, alors je fais une division dans le dîn, sallallahu alayhi wa sallam, le tla alayhi wa sallam, le tla alayhi wa sallam, le tla alayhi wa sallam, alors plusieurs divinités. Pas capable de compter. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'Allah fait halal, bin haram. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait haram, bin halal. Alors Allah le met en garde. Il me dit, parmi les mouchriks qui font mettre une division dans ce dîme et ce qu'il fait parmi les sectes. Comme explication de sa ayat-là, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, lui dit, wa hadhihi al-umma aydan اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضال إلا واحدة. Sa umma, sa peuple, aussi bien divergée en plusieurs sectes, en plusieurs listes, en plusieurs groupes, tout dans l'égarement excepté un seul. Qui s'en là, ça un seul là, وهم أهل السنة والجماعة. C'est Ahl al-Sunnah wal-Jama'a al-Mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa bima kana alayhi as-sadru al-awwal min as-sahabati wa at-tabi'in wa a'immatul muslimina fi qadim al-dahri wa hadithihi kama rawahu al-Hakim fi mustadrakihi annahu su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil firqati an-natiya منهم فقال ما أنا عليه وأصحابي. Alors, quand le cours concernant الفرقة الناجية, bien adulte, c'est Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et c'est même qui vient cramponner avec les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui attache fermement avec le dîn Allah tabaraka wa ta'ala, et ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Les Philippines avec ça et avec les premières générations qui étaient là parmi les Sahaba, les Tabi'in et les musulmans, les imams, les musulmans dans l'époque ancienne jusqu'à de l'autre de nos jours. Alors, comme Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, les Philippines a rapporté dans ce livre, Al-Mustadrak, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est questionné. Maintenant, il s'est posé une question concernant Al-Firqa. Al-Najia, concernant le parti sauvé. Qui s'agroupe là ça? Qui s'agroupe le parti sauvé? Ben, les dires, les répondent, ben qui coule, c'est qui moi, et mon ben sahaba était l'eau là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il répond, c'est qui m'a été moi,
et mon ben sohaba, mon ben zélé, mon ben compagnon couloula. Un deuxième ayat qui cause concernant ça. Allah subhanahu wa ta'ala, l'idée de surah Al-An'am, ayat 159, Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Certainement, ben qui veut division, certainement, ben qui veut division dans ce din, ce fond ben secte. Ô prophète, Allah veut dire, ô prophète, tu viens à nanyer pour faire avec ben là. Alors ben dit mon, je viens diverger dans sa din là. Salaina su tariqa, l'utaina su tariqa, salaina su hizb, l'utaina su hizb. Allah veut dire, lasta minhum fi shay. Pas reste avec eux, tu viens à nanyer pour faire avec ben là. L'islam, l'islam, dans le dire Allah tabaraka wa ta'ala, bina ahzab, bina al tariqa, l'islam c'est din wahid. L'islam c'est un seul din, un seul jama'a. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Khamponjot avec wa'tasimu bihablillah avec la côte Allah wa la tafarraqu. Je tout khamponjot avec les livres d'Allah et n'a pas divisé. Et le grâce Allah subhanahu wa ta'ala les dit dans surah 3 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Par vin, comment ben qui vin les divisions et je vin diverger après qui ben bref clair fin vin azud. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans l'autre ayat qui trouve dans surah Ash-Shura شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. الله تبارك وتعالى لفي بريسكريير كم دين بوزن من دين كي لتي اودن كي سامان لتي اودن ان نوح عليه السلام اي كي نو في ريبيل ادوا او محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي كي نتي اودن ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام اي عيسى عليه السلام اتابلي لا ريليجيون اي با مي ديفيزيون اي با مي ديفيزيون. Donc, ça c'est le cas du Coran, qui crée à l'Oula, et ce qui est connu, que l'islam qui nous vient accepter, ce n'est pas un dit qui chacun des parties de sa façon, ou bien chacun les crée un groupe pour qui les parties de l'islam, pour Mali, les vient content. Mais l'islam s'est dit, ne préparez pas Allah, le tout, le visage, partie de l'islam, comment Allah fait nous préparer. N'importe qui s'en a qui permet de ouvrir ça, il permet d'ouvrir dîner Allah. Celui qui permet d'ouvrir autre que ça, c'est ça maintenant qui permet d'ouvrir le sectarisme. Alors pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi fait des hadiths clés à l'Ola, il fait enseigner sur l'Umma, il fait avertir sur l'Umma, il conseille sur l'Umma, reste au haqq, n'a pas tombé dans sa ligue au mala, quand chacun peut dans son aqidah, son jama'at, chacun peut dans son façon de faire. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقفيت صلى الله عليه وسلم إجيا والجماعة رحمة والفرقة عذاب. بقفيت صلى الله عليه وسلم إجيا جماعة. Le rassemblement c'est rahma, c'est miséricorde. Et la séparation, division c'est adab, c'est bénition Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith Inna Allah yarda lakum thalata wa yaskhatu lakum thalata yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu allahu amarakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'idée que Allah subhanahu wa ta'ala les satisfait trois pitcheuses vous êtes et les pas contents trois pitcheuses vous êtes. Les satisfait qui se fait ce ibadah et se pas associer l'ennui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui se trompe nous êtes avec la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Se tout ensemble et qui se pas divisé. Et qui se trompe nous êtes. Et qui je vais diviser et qui je conseille, c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'autorité parmi eux. C'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala
donne l'autorité aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui voulait l'essence de Jannah, qu'il y attache avec Jama'a, quand certainement Shaytan lit avec celui qui tout seul, Shaytan lit avec celui qui tout seul et lit inspecte les lois avec les deux. Quand il y a des personnes, Shaytan lit inspecte les lois avec ça de là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: faire salat en jama'a, quand les loups, les simplement des veaux moutons qui loin de ce troupeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon frère et ma soeur, l'inavertit-nous contre reste tout seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inavertit-nous qui nous visait reste avec jama'a, et qui quand une personne libérait tout seul, libérait en dehors en jama'a, Shaytan lui plus facile attaque sa personne là. Pareil comme un troupeau mouton, un les loups quand vous venez, ils vous gagnent difficulté pour attaquer un troupeau mouton. Mais par contre, un mouton qui est égaré, il est tout seul dans un coin, ça les loups là les plus facile attaque lui. Comme ça même, Shaytan lui plus capable attaque une personne, lui plus capable égare une personne, lui plus capable faire une personne tombe dans le péché, une personne qui est tout seul. Qui, contrairement à une personne qui périsse avec Jama'a, lui périsse avec ce manfréa musulman. Rapporté par Abu Sa'laba, il dit que quand les gens, ils ont été mis en place, في الشعاب في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. لبرابوتي البيتيا كي دون فواياج كان من جمون تبي أغيط أن بلاس دون فواياج كان جو تبي فواياجي جو تبي أغيط أن بلاس بانا تبي تسبيسي كم سي ساكن تبي أل دون أن كوان إنا تبي أل دون من جمين إنا تبي أل أنت من مونتاي إنا تبي أل دون من بالي. Comme si quand maintenant tu arrêtes une place, chacun tu peux prendre une place pour lui personnelle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à maintenant: certainement, je dispersion dans le chemin, entre la montagne et dans la vallée, ça lui depuis Shaytan. Ça lui depuis Shaytan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait averti maintenant qui. Quand je te vine dans une place, ça séparé qui je te fais séparer là, ça divine depuis Shaytan. فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا ضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالْ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ. À partir de ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à sa quelques paroles là, à partir de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin arrête aucune place excepté qui s'acquenne fin rapproche avec le camarade. Après sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peine aucun voyage qui va là tu peux faire et qui cause tu peux arrêter une place excepté qui s'acquenne tu peux rester ensemble de tu peux rapproche avec le camarade jusqu'à qui va là tu peux dire si prend une toile, un vêtement, mettre ça aux autres et les tu pouvais ajouter tout. Comme si, à tel point maintenant tu peux rapprocher, à tel point qui, comme si je pas si content, quand je viens dans une place, ça n'a pas pour prendre un coin, le talent pour prendre un autre coin, ça n'a pas pour aller dans un chemin, à tel point, je t'y prends en parole le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dieu, je t'y comprends lui, qui, quand je peux finir, je suis assisé dans une place. Il dit qu'il s'y met un toile, un vêtement aux yeux, pas de coup, comme si je tout pouvais avec ce vêtement-là.
Dans le commentaire de ce hadith, la Cheikh Albani, rahimahullah, lui dit « Inna kana mithlu hadhihi al-tafarruqi alladhi innama huwa fi amrin aadi » Lui dit si sa qualité de division-là, qui en vérité lui concerne une petite chose qui est ordinaire, quand maintenant qu'il descend dans une place, chacun peut prendre un chemin, chacun peut prendre une vallée, ce qui concerne, comme si c'est la vie mondaine, li pas concerne din directement. Alors, si je dis, fi amrin adi min al-amal shaytan, fa ma baluka bitafarruqi fi din. Si dans ma petite chose qui ordinaire, li un travail de shaytan, dans un voyage, si je dis voyager, ça qu'elle prend une petite place. Ça li un travail de shaytan. Alors, ce qui se pensait concernant division dans l'île, qui se pensait qu'une personne dans l'île lui fait pareil, comment ça va là, je peux faire, et bien lui, il prend ce chemin, lui, il prend ce façon de penser, lui, il prend ce l'école de pensée, ou bien lui, il prend ce chef. Alors, ce qu'il y a d'une bonne frère et bonne soeur, lui, il si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant ma fiteuse modèle, concernant une petite ordinaire, l'inamiyati van sahaba. Alors, je pose la question concernant l'île de l'islam, qui quantité grave, qui grave. Donc, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éclair, en présent jamais, c'est un rahma, il veut produire son mon shaitan, et nous parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui mandons qui nous fait toujours petit verbe de haq, parce que shaitan est dévot. Celui qui reste à l'écart et celui qui imagine petit jama'ahab qui tombe dans le sectarisme. Alors, comme ça, même, basant le Coran Hadith, un salaf, un ulama de toute l'époque, on avait dit qu'on était la division dans l'île, chacun des nations, Aqida, chacun des nations, ce jama'ah. Alors, un salaf, un sahab, un ulama aussi, il y a beaucoup de bonnes paroles là, qui peuvent écouter cette. Inna alhamdulillah, wa salatu wa salam ala. Donc, après que vous entendez le sectarisme, c'est basé sur Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les films empêchent nous, mais aussi nous avons la parole de Salaf Loza et aussi nous avons un ulama qui dit de confiance, un ulama Ahlul Sunnah wa Jama'a. Avec nous contre sa quitteuse là. Ali radiallahu anhu, Kokodou, comme un kuntum takodoun, fait un jugement, pareil comme un petit peu fait un jugement. Ali radiallahu anhu, veut dire fait un jugement, pareil comme un petit peu fait un jugement, fait un miracle à l'ikhtilaf. Et certainement, mot pas content la divinescence. Ali radiallahu anhu, il n'est pas content. La divergence. حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. Et jusqu'à ce qu'il y ait un jamaat ou un dimoun ou bien qu'il y ait un mot pareil comme un compagnon fin mot. Et nous avons aussi raconté par Mu'awiya ibn Qurra qui dit عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا. Moi, mon cher, fin jamaat qui Abdullah ibn Mas'ud fin fait 4 rakats. Abdullah ibn Mas'ud il vient faire 4 rakat, veut dire dans Mina, dans Hajj. Fakhil al-Abu, allô, Bana Finzia, avec lui. Rita ala Uthman, thumma salayta arba'an, tu fais une critique Uthman radiallahu an. Tu fais une critique Uthman radiallahu an qui lui fait 4 rakat à Mina, et ensuite tu viens te faire salat, 4 rakat de Yali, alors qu'il vient répondre, il dit al-khilafu sharrun. الخلاف شر بدي الديفيزيون لي بلي بير بدي نو بي كومبون با سا بارول لا كي عبد الله بن مسعود لي با فين داكو افيك لو بيو دو عثمان رضي الله عنه مثل ما كان لي بي تروفي كي عثمان رضي الله عنه في الفائريه لي با فين كاس جامان لي با فين علي نو تو تو انتي تو تو انتي تو نو لي بدي كي في الديفيزيون بدي لي بلي بير كي سا. Mais au contraire, il fait faire salat, derrière.
Et une personne, d'ailleurs, Othman, radiallahu anhu, pour qui ça parvient à une division, ça parvient à un problème entre eux. Et raconté par Tawus, il dit, عن عبد علي بن عباس رضي الله عنه قال الو ابن عباس تجيك معاوية رضي الله عنه في دمن لي قال لي معاوية الو معاوية في دمن لي ألست على ملة علي اسكي تبالو غيليجو علي رضي الله عنه قلت ولا على ملة عثمان لفين غيبون لتجيكي Mon pas ni la religion Ali radiallahu anhu et ni la religion de Uthman. Ana ala millati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, même la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous, en tant que musulmans qui n'ont l'imam dans le Caire, nous besoin d'une sa musulman là. Nous besoin d'une sa dimoun là qui, moi, ne pas suivre parole un tel moi. Quand il y a un brief, quand il y a un brief, il y a moi qui m'ont fait faire et rire. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a empêché nous. Alors, nous rétractons. Nous pas dit mon nom, tel madhab peut dire ça, moi je suis tel madhab. Tel imam qui dit telle affaire, moi je suis tel imam, et nous écrasons parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais nous obligeons de suivre parole l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, وَإِذَا تَفَرَّقَ الْقَوْمُ فَسَدُوا وَهَلَكُوا. Si le peuple est divisé en plusieurs groupes, si ça va le peuple là, si Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est divisé en plusieurs groupes, alors ça pour corrompu, je veux dire, ça va le timon là, pour corrompu et ce groupe périr. وَإِذَا اجْتَمَعُوا صَلَحُوا وَهَلَكُوا. Si ça peuple là, se unir ensemble, alors ce groupe en bon état et ce groupe gagne l'autorité. فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب لذيه parce que jamaa le rassemblement c'est rahma c'est miséricorde et la séparation veut dire division c'est azab c'est une punition et comme ça même nous gagne parole Cheikh Albani rahmatullah lizia qui forme ben partie forme ben groupe alors ça les pas forme partie de da'wa as-salafia. Mais déjà ça, Timon, ça, musulman, faire ce propre groupe, les appartenir à un groupe, ça n'est pas font partie de la da'wa salafia et non plus sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes à l'abri là. Mais montrez-nous qu'il y a un musulman, il n'est pas supposé les haram l'oli pour qu'il les crée un groupe et pour les faire le sectarisme. Donc, après qu'il nous fait une avant, sur ce créant, parce que le Coran, le Hadith, parole de Salab, le ulama, le sectarisme, les condamnés de l'islam. Alors, prochaine explication, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de léger, ça, il y a quelque chose qui nous permet de dire avec une facilité tel groupe c'est un secte, ou bien tel permet de le sectarisme. Ou bien c'est une grande responsabilité qui nous peut viser à prendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Pénadouk qui nous visite venir nous dire Sabana c'est un secte. Pénadouk qui ça c'est une petite chose qui vient bien grave. Celui qui vraiment légalement ne peut pas gagner le droit dire qu'il a la guidance. Mais celui qui lit l'eau la guidance ou bien qui ou peine à la connaissance est-ce qu'il vraiment bien sec ou bien non osis ensemble avec qui peut commettre nos Facebook ou si osis commettre sec ça alors connaît qui ça c'est quelque chose qui grave d'après parole du man ulama nous pas osis vini le dire ça va bien sec ou bien bien sec tant qu'il ne l'a pas la main bref clair et surtout qui ça peut supporter pas mal par parole du man ulama alors comment man ulama finalement dit qu'on sa maladie là maladie, c'est venu dire ça va danser ou bien tel qu'un verre de sectarisme. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Donc un frère, un soeur, un islam, vous avez entendu un ayat Qur'an et un hadith, même parole de un ulama du passé, comment se fait n'avait-il nous contre le sectarisme. Donc nous comprenons par ça qui quand nous concernons par sec, ou bien dire un tel insecte, ou bien tel groupe insecte, alors ça c'est une connaissance qui il faut partir dans le dîner à l'islam. Et quand on connaît,
Quand je commençais à dire l'islam, ce n'est pas une culture qui est léger, une culture qui est facile. Nous visons une connaissance pour qu'il nous cause concernant le dîner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Ahmad, rahmahullah, dit dans une parole, « إخراج الناس من السنة شديد » Retire le dîner de la sunna, c'est une culture qui dure, c'est une culture qui grave. C'est une culture qui nous visons une connaissance pour nous faire dire. Nous ne pas capables, même dans le dîner qui nous a avec tendance, si un tel peut dire tel groupe 25 à cause du pas contrarié ou bien à cause de telle raison ou bien telle raison, alors lui aussi nous allons dans la même tendance, lui aussi nous rentre dans sa zoéla. Nous bizarre qu'on compte ça qui tue ça parce qu'il y a une culture qui est bien grave dans le dîner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une culture qui nous cause concernant le dîner d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Et Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah, dit dire. ومعلوم أن الحكم بين الناس في عقائدهم وأقوالهم أعظم من الحكم بينهم في مبايعهم وأموالهم. الشيخ الإسلام يبي dire, il est connu que jugement parmi les gens en ce qui concerne les affaires et les bonnes paroles sont les plus délicats. C'est une chose qui nous besoin de plus de précaution. Qui jugement parmi Allah en ce qui concerne je te la vente ou bien je te l'argent. Concernant l'union, pour faire jugement, alors il y a quelque chose qui est facile. Nous trouvons dit et nous témoignons, alors nous capables de faire jugement plus facile. Mais concernant la vie d'un individu, ou bien la parole qui je dis, alors ça, c'est une chose qui nous vient avec la connaissance. Parce que sans connaissance, premièrement, sans connaissance, nous-mêmes ne pouvons pas connaître est-ce qu'il se dit bon ou bien il n'est pas bon. Alors comment nous sommes capables de permettre nous que ce concernant dit Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qualifier un tel ou bien un tel comme un sec alors qu'il nous paye dans sa connaissance là. Et Cheikh Islam il nous dit qu'il y a le tiers d'une parole « Wa amma ta'yinu hadhihi al-firq faqad sannafa an-nas fihi musannafat wa dhakaruhum fi kutub al-maqalat lakin al-jazm bi anna hadhihi al-firqa mawsufa هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. الشيخ الإسلام يفتيح quand a spécifié ban sec alors certains disent fin écrire ban livre ou ban nom il a ban livre fin écrire ou ban sec et fin faire mention concernant ban nom dans dans sa manière qui fait écrire là, l'autre, par différentes conceptions qui je tiens. Mais pour dire catégoriquement que tel groupe, c'est un groupe égaré ou bien c'est un secte, alors, et puis ça, ce groupe-là, il faut partir. Parmi ça, 72 sectes qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'informe qu'ils ont tout dans l'enfer, et de l'autre côté, un secte qui vous donne le nom. Alors ça, Cheikh Islam devait dire, bizarre et après concernant sa quitteuse là. Ce n'est pas une quitteuse qui nous dit comme ça même, ce n'est pas une quitteuse qui nous tendait et nous dit pareil, mais il faut dire une connaissance concernant ça, les là qui nous capables prononcent nous, l'eau sa quitteuse là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une décrète haram pour cause sans connaissance en général, pour cause concernant dit Allah subhanahu wa ta'ala. En général, c'est une chose haram si nous faisons la connaissance. Nous visons cause seulement avec connaissance et nous faisons des fêtes haram pour cause concernant dit en particulier. Alors, comme frère et soeur, ce n'est pas une chose qui est facile. Ce n'est pas une chose qui est insignifiante, qui est banale, qui nous capable, mais tiens, nous capable, pas qu'on compte, ou bien nous allons d'après tendance qui est là, nous aussi nous rentrons dedans, nous aussi nous dire. Et nous cause concernant dit Allah subhanahu wa ta'ala comment nous gagner. Il est connu que Ahlus Sunna wal Jama'a ban qui l'eau la vérité, alors je tiens ban réserve concernant au nom de l'eau ban djimoun ou bien l'eau ban groupe, est-ce qui c'est un secte ou bien est-ce qui c'est légalement, alors je prononce seulement basant nos connaissances du Coran et de la Sunna et d'après compréhension de Ban Salaf, rahmahumullah. Mais de l'autre côté, nous gagnons Ban qui est égaré, Ban qui
je suis le désir, le passion, alors je me trouve pour un oui, pour un non, je prononce un tel insecte, ou bien tel groupe d'insectes, tel du monde, ils font partie de tel secte, alors ça c'est une chose que je prends à la légère et je prononce lui pour moi je gagne. Et la même parole que nous t'aimons à dire, « Wal kalam fil nas, yajib an yakoun bi ilmin wa'ad, la yakda bi jahlin wa dhulmin kahali ahli l'bida. » Le cause concernant Bandimoun, ça l'oblige à baser nos connaissances et la justice. Quand nous avons la connaissance concernant cette chose-là, ensuite nous faisons avec la justice, ni nous exagérer. Alors, c'est comme ça que nous prononçons nos 25, non plus qui nous causent les basant nos l'ignorance et basant nos l'injustice. Alors, c'est, comment le dire, c'est halé de Bébal Bidadi, c'est halé de Bébal qui est égaré. C'est Zut qui est là, sa qualité là dans Zut, ou prenons Zut, mais dire qu'on est un peu de là, comment Zut gagne. Donc, ça aussi une chose qui est connue, par contre, la guerre avec un démon, ou bien le ban content lit, ou bien le ban camarade par le content lit, nous disons que oui, c'est un insecte. Au point de vue, on l'avait dit, d'un gisement. Là, on a fait moderne, on a fait concernant leurs antimones. C'est ça les petites choses qui les affaires délicates, les affaires qui nous faisaient pas beaucoup de précautions, alors que d'un gisement, on dit ça c'est un sec, en deux mots, il peut mériter d'en faire, alors c'est pas une petite chose qui nous prend à lire, légèrement. Ensuite, vraiment là-bas, nous comprenons, nous passons à nous dire exagéré, ou dire un tel sec, mais de l'autre côté aussi, nous passons à des gens qui nous disent de tout correct, peine à sec dans. Dans l'islam. Alors, tout le temps, Hamdi Obilier ne n'a pas pressé pour dire sa place est un sec, mais avec toute prudence, avec connaissance et la justice, quand un groupe mérite d'être considéré comme un sec, nous considérons comme un sec, et bien, là aussi, je vais être clair, quand nous considérons un groupe comme un sec, alors, il y a plusieurs critères qui vont là-bas, une avancée, pour qu'ils nous connaissent quand un groupe est considéré comme un sec, parmi nous gagnons certains points qui nous poussent. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Le sectarisme, chers frères et sœurs d'Islam, d'après Van Oudama, c'est quand vous contredisez à Aqida que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba et l'Allah alayhi wa majma'in vous êtes l'Ola. Imam Ibn Qudama il dit فأخبر النبي sallallahu alayhi wa sallam أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam informe nous qui le parti sauvé, parti qui vient saper depuis l'égorement, c'est Ban Kipoulo, c'est qui lit, et son Ban compagnon qui l'aura. Comme un tabi'ahoum, il en يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه. Celui qui suit Banna lit dans le parti sauvé parce qu'il lit aussi qui Banna Tilola. ومخالفهم من الاثنتين والسبعين الذي في النار. Et celui qui oppose Banna lit parmi les 72 groupes qui vous donnent l'enfer. كم سمعني بتنيا رحمه الله لجيا ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مذهب أهل السنة والجماعة مذهب أهل السنة والجماعة سيد الأنسيا مذهب sa même madhab plus ancien, qui est capable d'être et qui est connu, qui est mashhour. Il y a un madhab qui est populaire, même avant qu'Allah crée Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i et Imam Ahmad.
Il continue à dire, فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَ الَّذِينَ تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ. C'est madhab de mon sahaba qui va n'appliquer ça avec ce prophète. Madhab Ahlul Sunnah wal Jama'a, c'est madhab de mon sahaba Ridwan Allah alayhi majba'in qui se fait hériter depuis mon prophète. وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مُبْتَدِعًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Celui qui contredit à ce madhhab-là, celui qui a à l'encontre de madhhab Ahlus Sunnah wal Jama'a, sa ancien madhhab-là, alors on dit il est considéré comme un bid'ati chez man Ahlus Sunnah wal Jama'a. Dans l'islam, parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit: من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في الثنتين والسبعين. Celui qui contredit عقيدة أهل السنة les rentre dans les 72 sectes. Et parole du Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله لتيا وإذا اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة صار منهم. S'il adopte عقيدة أهل السنة والجماعة il vient parmi eux. ومن أنكر شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة صار من المبتدعة. S'il rejette quelque chose qui font partie, s'il rejette quelque chose qui font partie de عقيدة أهل السنة والجماعة, il vient parmi les bid'at. Donc, ça c'est une bonne façon pour nous capables de détecter un groupe qui est légalement. Si maintenant, bien avec vous, les عقيدة qui va salaf in apati tiroula. Alors, ça qu'elle parmi nous, quand nous trouve qui est avec nous, bien aqida, nous disons que connaît ce qui c'est aqida de salaf, ou bien aqida qui c'est plutôt une falsification, ou bien un péril qui dit qu'on finisse tombe là-dedans et puis justifier. Alors, ça c'est une bonne façon. Et il y a une autre façon pour comment on va faire mention. Qui nous capable de détecter un groupe qui vient de bien les sectaires. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ba'd. Malfaya Ibn Shakir al-Iman, certainement, vous dire qu'un qui gagne l'idée d'un secte, ou soit, il faut un parti, pour lui, un secte égaré, alors donc, ce qui nous vise à c'est la connaissance pour faire ce jugement-là. Alors, comment nous pouvons identifier qui un tel, l'ayant un secte, ou soit tel jamaat, l'ayant un secte égaré, c'est quand on peut trouver les contradire pour un hadith, ou soit ijma ouvertement. N'importe qui s'en a. Nous trouvons les manches sur un chemin, et ce chemin-là, les remplit avec ma contradiction. Il peut contredire parole Allah. Il peut contredire parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il peut contredire principe de ban savant, ban ulama, ahlu sunnah wal jama'a, qui se fait unanime l'ola. Alors, donc, ça c'est un secte. Ban ulama, qui font partie d'un comité fatwa de l'Arabie Saoudite, je dis Amma man intakhadha ilaha hawa, quant à celui qui fait une grande passion comme ce qu'il a, wa arad al kitab wa sunnat al sahiha, et il fait contredire, il fait oppose al kitab, Quran et al sunnah authentique, bi ra'yihi, par son opinion, wa ra'yi imamihi, l'opinion de ce imam, ce leader, wa qawli matbu'ihi, ou soit l'opinion de celui qui lui est suivi. حمية له وعصبة وعصبية فالنقاش أو فالفراتيس في نادولي أو تأول نصوص الكتاب والسنة أو سواء أو bien لفي انتربت الكتاب et السنة فال une interprétation une interprétation que la langue arabe et les principes de charia rejettent ça. Et pour ça, les abordent al jamaa. Et pour ça, les abordent al jamaa. Alors, ils viennent parmi les 72 groupes qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
fin faire mention qui se trouve dans l'enfer. Donc, ma frère, et ma sacré animal, quand il me trouve un petit gain, il peut dire, il peut faire, qui chose qui peut contredire le Coran, qui chose qui peut contredire sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le principe logique, bat sa voix, fin l'ola, fin unanime l'ola, alors ça dit mon âme bénédicte, les victimes dans sa 72e. Qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin informe qu'il est boudant, qui fait l'enfer. Parole là continue de dire, wa idan fa amaratu هذه الفرق التي بها تعرف مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل يتفق مع لغة القرآن وأصول الشريعة ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. Donc, indice, quelque chose qui pourrait indiquer nous de ce 25 là, pour lequel je veux être reconnu, c'est contredire Al-Kitab, contredire Sunna. Et ijma par une interprétation qui ne correspond pas avec la langue de l'Al-Qur'an. Il peut dire quelque chose qui peut contredire ce que le Qur'an veut dire et principe de charia et qui est capable d'excuser pour aider à qui il vient arriver faire. Donc, pas le faire. Mais pour qui s'en a qui peut contredire le Qur'an, sunna et principe de bon savant qui vient unanime l'Ola, alors c'est une petite chose qui n'est pas capable d'excuser. Il y a une petite chose qui crame, qui fait, parce que c'est ça même qui amène vers 27 égarés. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, « Fal-jama'atu allati indaha mukhalafatun lil-kitabi wa sunnati yu'tabaru al-muntami ilayha mubtadi'an. » Donc, « Ben-jama'at » qui est là, « Ben-contradiction » La jamaat qui peut trouver une contradiction, Al-Kitab, Al-Sunna. Quand il peut trouver une aqida, l'Iban aqida qui trouve dans le Coran. Quand il peut guetter une façon de faire, c'est qui se peut prendre, une manhaj, une façon qui se peut faire da'wa, l'Iban correspond avec le Sunna du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, c'est lui qui a adhéré à Banla. On comprend bien, c'est lui qui fait adhéré à sa bande jamaat-là, lui est considéré comme un bid'ati, un qui peut faire bid'a. Alors donc, ma frère, il est clair, on comprend qu'un djimoun qui peut adhérer, qui peut montrer sur l'appréciation, qui peut participer avec ban qui dans une aqida et la contradiction, et qui peut contredire par son fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors lui aussi est considéré comme un bidati. C'est parce qu'il peut approuver, il peut participer. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit Man khalaf al-kitab al-mustabina. C'est lui qui fait contredire al-kitab, Quran, qui clair, wa sunnat al-mustafidata, et sunna qui répandue. أو ما أجمع عليه سلف الأمة هو جزء كبير سلف جزء أمتلا تيونا من لولا خلافا فلا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدعة ألو أن كايتي contradiction qui ne pas être excusé pour ça sa personne là lui être traité comme ne traite pas de bidati et ça parole là frère comme bien faux. Mais tiens, Jimoun, qui lui peut montrer certaines l'appréciation de Bidati, Ban qui dans une Aqida, dans bien pour qui quelque chose dans une dîne, lui peut contredire pour un Sunna, alors une qualité contradiction qui n'a pas être excusé pour ça. Mais il y a comme il dit, Allah le Kodou, le prophète Kodraï, Wali Allah qui peut gouverner le monde, etc. Mais alors on trouve qu'il y en a certaines qui peuvent. Veut dire, adhérer à sa banne-là, alors sa personne-là, lui est traité pareil comme un traite ban-bidati. Sa personne-là, lui est traité pareil comme un traite ban-bidati. Alors, alors là-bas, il m'a dit clair, comme il prend déjà le Coran, hadith, wejma, ça c'est le sectarisme. Mais, alors là-bas, il m'a dit, si
qui peut contredire même un principe de Ahl-Sunna, un principe qui est connu, qui Ahl-Sunna tout le temps, voilà, les bénis de dire le contraire, le saoussi, l'IAMBR, le sectarisme, et bien l'Olama finit averti contre ça. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طائمة العلماء كفينا أبيزي قوتا وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إزي هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية إزي سبانا غبلا سبان سيكلا سبان غبلا سفين فين من سيكلا كون Quand je fais oppose à Al-Firqatul Najia. Al-Firqatul Najia, c'est Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est Al-Salafiyya. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une dimension de ce hadith, qui se remet ou divise en 73 groupes, je suis toujours bien l'enfer, excepté un seul. Et ça, Emna, c'est ça même Al-Firqatul Najia. Et Imam al-Shatibi dit, c'est un certain groupe-là, Je fais une vigne, 25, quand je fais une pause, elle fait le cas de Najia, fi ma'na kullin fi dini, dans un, quand je fais une pause, elle fait le cas de Najia, dans un concept, ce qui est complet, le dîne l'islam, wa qa'idatin min qawa'id al-sharia. Et, les faits, je fais une pause, elle fait le cas de Najia, dans un parmi, dans le principe de al-sharia. De la même façon, nous trouvons Cheikh Koubaïd al-Jabiri, ici, al-Rajulu min al-Salafiyya, une personne, ils sont depuis al-Salafiyya, c'est-à-dire depuis al-Firqatul Najia, ils sont dans un groupe sauvé, qui les peut sauver depuis différents terrains, et d'un khalafa aslan min usuli ahli sunnah, c'est quand les films contredisent, par un principe, parmi les principes d'ahli sunnah, et l'Iqamat al-Hujja et une fréa l'Iqamat al-Hujja l'Oli ça il finit faire dire avec ma preuve devant lui il finit faire dire comprendre que ça c'est pas principe d'Ahl-Sunna ça n'est pas base le Coran, le Hadith donc c'est qui dans le Sahaba je t'ai dit il finit faire l'Iqamat al-Hujja et par exemple un premier principe c'est qui là c'est quelle personne qui est opposée par exemple Une personne qui croit que c'est lui qui lui commet un grand péché, lui saute en dehors de l'islam. Ça fait takfir de ma personne, c'est qui je vais commettre un grand péché, comment Zina, je vais tuer du monde, etc. Alors, si sa personne-là et sa groupe-là, sa groupe de personnes-là, finit faire un grand peu de jalouse, qui ça, c'est pas principe dans le sunnah wal jama'a. Alors, l'imam Obed al-Jabiri, l'isi à sa personne-là, l'y saute dans la salafie, bidalika ou abarujo, et l'y pas les retourner. C'est après qu'il finit montrer lui sa petite chose-là, sa principe-là, c'est pas une petite chose, c'est qui correct. Alors, sa personne-là, ha, d'ailleurs, min al-salafie. Sa personne-là, l'y saute depuis la salafie. De la même façon, parmi le principe de dire ce qu'il y a, c'est qu'une personne lui mal parle, ou soit lui dire qu'il y a une conception qui va épouser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais commettre Zina, ou un chien, un rafida, je dis, alors ça c'est living and group, living and sick. De la même façon, quand on trouve un ban, c'est qui, je vais dire, qui soit disant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Il vient créer avec nous, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient administrer la terre, sa bonne personne-là, sa bonne groupe-là, ceux qui viennent man sec. C'est sa bonne personne-là qui vient man sec, moi je connais, ben barilmi, tchaman, c'est qui est là. Alors, dans un exemple qu'il vient citer là, nous trouvons qui est là, ben c'est qu'appelle Khawarij, ben c'est qu'appelle Rafida, ben c'est qu'appelle. Ça c'est ban groupe, c'est ban sec, je fais une sec, parce que je fais une oppose à l'Sunna ou al-Jama'a, je fais une oppose ban principe d'Al-Sunna ou al-Jama'a, ban principe de al-Salafiyya. De la même façon, j'ai oublié de al-Jabiri, il continue à dire, parce que c'est ban principe fondamental,
إذا وكذلك قالوا قالوا حتى في الفروع إذا زيسكامين من العلماء في إنزيا سي أن بيرسون ليبي أوبوج بان أنسيمون سيكوندير بان أنسيمون سيكوندير دو الإسلام إذا خالف فرعا من فروع الدين سي بي أوبوج بان l'enseignement secondaire dans Dina, فأصبح الوالي ويعادي في ذلك et il commence à faire الولاء والبراء, c'est-à-dire il commence à faire camaraderie et il fait l'ennemi basant roulant, فإنه يخرج من السلفية, alors sa personne n'a sorti de la السلفية. C'est pareil, ma petite chose, ce qui est secondaire, moi je disais pour un exemple, ce qui nous capable de citer. C'est quand un bon groupe dit mon dire, t'as à voir bizarre fait de telle, telle façon. 3 jours bizarre sorti, 10 jours bizarre sorti, 40 jours bizarre sorti. C'est sa façon-là qui bizarre fait t'as à voir. Alors ça, il peut opposer parmi ben, l'enseignement, les dîmes d'islam, ben, l'enseignement de Al-Husun al-Jama'a. Alors ça, ben, personne-là, c'est ceux qui peuvent faire mon groupe, c'est ceux qui peuvent faire mon sec. Alors, l'Isir, فإنه يخرج من السلفية. Alors, de sa façon-là, sa personne-là, il sortit depuis la السلفية. C'est la même personne, c'est qui, je t'amène les autres en principe, c'est qui nie Allah subhanahu wa ta'ala financé nous, c'est qui nous connaît de nature, c'est qui font partie de nos aqidah. Et nous, de mon enseignement, c'est qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et mon salaf de sa ummala, qui nous restera. Alors, ça va être personne n'a pas venu de mettre ça comme un principe dans ce groupe, bien faire de telle façon. Et si pas faire de sa façon-là, alors, nous pas proposer avec lui. Et moi, maintenant, je dis, je m'en livre, et non, pas mourir, je dis enfant, pas mourir, je dis avec maintenant. C'est quand même, et n'a dit, à pas faire soir derrière nous, parce qu'il nous pas plus mort de ce principe. Alors, je fais son slam, c'est ça va être ceux qui me faire, c'est ceux qui viennent tomber de mon sec. Donc, ça c'est une autre façon pour Omar de dire autour de le sectarisme, c'est un principe connu. Et même si il y a un aqida correct, oui, quand il y a un aqida correct, il n'est pas possible de faire où, de payer avec où, mais contredire à le sunnah, quelque chose qui considère quand même un principe d'Ahl Sunnah ou Al-Jama'a, et comme je le rappelle, il y a même. Il y a quelque chose qui est capable de construire un fil, mais si ça dit qu'on a les bébés pour l'amitié ou bien déclarer la guerre à cause d'un quelque chose là, ça aussi, il y a même bien le sectarisme. Un autre facteur qui amène vers le sectarisme, un peu manière encore qui amène vers le sectarisme, c'est ce qu'on appelle suivre aveuglement. Et alhamdulillah, ça a le sunnah tout à fait combattre. Et tandis qu'il va le dire également, tout le temps, c'est ça quelque chose-là qui finit plutôt en pire et finit en pire en fausse dans un dégât. Bismillah, alhamdulillah, wa salat, wa salam, ala rasulillah, wa ba'du. Alors, le sectarisme, c'est quand il a tapé de l'arna. C'est quand il a suivi, avec le mort, le dire, il a blind following. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, le dire, le mouhou, fatawa, le dire, faman ja'a al-shakhsan. من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة. celui qui prend quelqu'un autre que رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. celui qui prend une autre personne dans place le prophète عليه الصلاة والسلام les considère seulement celui qui compte dans sa personne là et d'accord avec lui. Comme Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, il considère celui qui contredit lui comme Ahl al-Bid'a, wa man khalafahu kana min Ahl al-Bid'a wal-Furqa, celui qui contredit lui, qui considère lui comme Ahl al-Bid'a wal-Furqa, kana min Ahl al-Bid'a'i, wa-d-dalali wa-t-tafarruqi, les parmi ben bid'ati, ben égaré et ben division. Un autre place en quoi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, wa man nassara shakhsan. Kainan man kan. N'importe qui s'en va, il faut une personne. N'importe qui s'en va, il faut un démon. N'importe qui s'en va, il est capable d'être. Fawala wa'ada ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'li, fa huwa
لنقص آية من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نقول كيسان لا وإنبيسون نقول كي بيسون نقول كي جيمون لكابابيتي اللي فيها alliance اللي فيها الولاء والبراء اللي فيها dissociation basant-le, est-ce qu'il est d'accord avec sa personne-là, sur l'opinion et action ou non? Alors, il vient ben, une division dans un digne et je viens quand même comme un secte. Donc, ça aussi, c'est un peu mal. Légalement créé, quand même, le sectarisme nous compte un démon et nous présente comme si il n'est pas fait réa, nous est suivi dans tout ce qu'il dit. Ça, c'est le sectarisme. Et un autre, c'est en relation avec ce qui la dernière fois là, c'est une fausse dîmon pour accepter une certaine opinion. Ça aussi, c'est le sectarisme qui va nous la ville avec compte pour ça. Fausse dîmon pour accepter une certaine opinion, bien sûr, va baser le Coran et Sunna, ça lui font partie de la sectarisme. Ibn Taymiyyah, رحمه الله لجيا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإبراهمهم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه ابن تيمية رحمه الله لجيا قومي بان أملام لبان البدع c'est qui se invente une parole ou une action et je t'impose sa parole ou bien sa action là l'eau ban djimoun pour force ban la pour adopter ça pour force ban la pour adopter sa ban parole là et sa ban action là et prend comme ami basant l'eau là et être hostile envers celui qui délaisse sa ban action ou bien sa ban parole là. Le sectarisme c'est quand une personne libé force l'opinion qui va baser le Coran et Sunna. Libé force une action, libé force une parole qui l'inin inventé. Comme nous trouvons souvent deux fois, le WhatsApp ou bien le Facebook nous trouve beaucoup de gens, je t'envoie les bandes pitcheuses, qui visent lire telle pitcheuse, visent lire telle pitcheuse, si ou pas faire, ou besoin de tel malheur, ou bien ou arrive telle pitcheuse, ou bien, et la bande je dis à une certaine parole qui. Je fais envie de faire sa bonne parole là, je fais un petit monde pratique sa bonne parole là, et qui sa bonne parole là, l'IPE n'a aucune origine dans le Coran et dans le Hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, sa bonne petit monde là, je fais invite vers eux-mêmes, je fais invite vers une secte, et je fais faire le sectarisme, et qui en vérité, c'est ça le sectarisme. Alhamdulillah. Ça, c'est l'introduction hein, de nos sujets. Un esprit que le sectarisme est condamné par Allah, ce Rasoul, le Salaf. Il explique aussi certaines erreurs qui fait un démon tomber dans le sectarisme. Alors là, le Bouvine cause Al-Gudawanour. Est-ce qu'Al-Gudawanour est invité vers le sectarisme ou bien non? Alors, si le Bouddhéman Badjimon ne pourrait considérer le Bouddhéman comme un secte, mais au moins montrez-nous pour quelle raison qui fait le Bouddhéman considérer le Bouddhéman comme un secte. Alors, un problème à la réponse qui est capable de gagner de la voix de certains, c'est l'islam, c'est l'islam. Dans l'islam, peine un groupe. Allah appelle nous dit à l'islam, nous les musulmans, tandis qu'à vous dans nous, je viens vite vers un groupe. Je viens vite vers un groupe qui se fait appel à Salafiya. Alors, on est capable de ça, pas ici ou pas là, bien vite vers un groupe à Salafiya. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec un groupe, nous sommes d'accord avec l'islam. Parole là est capable de parler vrai. Parole là est capable de parler vrai. Mais c'est un cas à dire. Nous d'accord pour suivre un salaf, mais seulement à Salafia, c'est un groupe. Nous disons rentrer dans un groupe là, on ne peut pas rentrer dans aucun groupe. Moi, je suis musulman. À l'Oudawano, on rentre dans un groupe qui appelle Salafia. Ça, c'est le sectarisme. C'est un peu un argument qui est capable d'entendre. Est-ce qu'il est vraiment
c'est un crime qu'il y a à nous de faire. Quand il dit à nous, Salafia, c'est un couple. Et nous disons, viens dans ce couple-là. Est-ce que vraiment c'est un légalement de l'Ouïdawanour qui pense à l'Ouïdawanour être considéré comme un sec ou bien non? Alors, nous visons toujours référer à parole de l'Ouïdawanour à l'Ouïdawanour qui va l'Ouïdawanour fin dia l'Oula. Et alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Donc, quand l'Ouïdawanour dit à vous que la salafia, c'est un groupe qui ou besoin à dire à Diaou, à sa groupe là, à Salafia. Alors en vérité, c'est pas nous qui peut dire ça. Mais c'est Man Ulama, Ahl Sunna wal Jama'a, qui peut dire ça et nous présente ça à vous. Regarde la parole, chef de base, de dire Al-Ta'ifatul Mansoura, qui est le Firqatul Najiya. Al-Ta'ifatul Mansoura, veut dire la partie victorieuse, c'est lui-même Al-Firqatul Najiya. C'est lui-même le parti. هم أهل السنة والجماعة وهم السلفيون c'est ça deux groupes là الطائفة المنصورة avec الفرقة الناجية c'est un seul groupe ça c'est pas des groupes différents ça un seul groupe ça زد بن أهل السنة et زد بن سلفي زد بن أهل السنة et زد بن سلفي et j'ai pour terminer dire concernant parole de رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيا كلها في النار إلا واحدة زيا زدوب دار في إكسيتي أنسل زدوب دار في إكسيتي أنسل ألوش الأوثامين زيا سأنغو كي والدو جنة لا كي بوعد سوبي لا نزيا دان فاسو ديفينيتيف كي سأحل الأثار سا سأحل الأثار يحل الأثار سمن كي سويف أثار زد سويف كتاب زد سويف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسويه فهول دمان صحابة إيسا لبين ناري دم وكان غوب إكسبتي السلفية بجسا كاري كده سويه قرآن سويه سنة سويه فهول دمان صحابة ألو سا دوما ليزو الغوب تيبوا الدرافية بين ناري إكسبتي زيس دم السلفية إي دم أهل السلف سلازية بلكي تنفيا من الشمن دمان سلف ألو سا يكون سابين كي سا غوب لك السلفية ومن أوفيه ومن أوفيه جنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفين كنوني لوك سقاب الناس في كسان الناس شيخ العثامين كيف يفعلوا كل ساعة هذا الكلب شيخ العثامين يفعلوا كل كي السلفية سيبان كي لولا فيغتي سيبان كي سيب سنة سيبان كي سيب الله سبحانه وتعالى كما بيسان ألو ما له اسماء إن أجمون ببين موجة وقف آية كي شيخ العثامين انتيا سلفية ça insecte ça, insecte égaré ça. Alors nous disons où? Nous disons où? Ou capable de professeur arabe, mais seulement la compréhension par les gens qui ont fini gagner. Et nous venons mettre sa parole de sa chère là, devant où? Zizbouki ou Zizi. Et cher Salih al-Fawzan nous dit, As-Salafiyya tu dis al-Firqa du Najiyya tu hum ahlu sunna wal jama'a. As-Salafiyya c'est Firqa du Najiyya et Zulban ahlu sunna wal jama'a. الشيخ عبد العزيز الراجحي من زيا السلفية اسم شرعي أصيل يراد به أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الاتباع السلفية c'est un nom islamique qui d'origine les pures et quand on peut dire السلفية c'est de faire référence à أهل السنة والجماعة de faire référence à الأثر أهل الأثر أهل الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الاتباع دوك دو سالا سي ان سيلسا سي بان كيلو لا فيغتي سي بان كيلو السلفية الشيخ صالح الفوزان يزيا جماعة سلفية سي ان سيل جماعة كيلو لا فيغتي جماعة سلفية سي لو سول جماعة كيلو لا فيغتي اي كي نو بيزا سويفلي شيخ صالح الفوزان بيزيا نو بيزا سويف السلفية كي فيها أوسكي ليلو لا فيغتي بيزن موس بيزن موس لو سو منهج علي انو علي في اجتهاد او سام افيك لي ابوت سا جامع دا ان مسلمان باغي ان وا علي اي لوت ابوت السلفية و باغي ان وا علي او اي لوت غروب اي لوت سيت بوسكي سي بامي مان سيت ايغاري اي نو غي بارول شيخ صالح الفوزان اكو
بدي الجماعة السلفية هي التي على الحق وهي التي يجب الانتماء إليها ويجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها. جماعة سلفية سكي لو لابيليتي سكي لي نبزوان عدينو à sa jamata, nous travaillons en collaboration ensemble avec lui et nous attribuons nous à Ali. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala guide les gens qui sont malades avec sa nom, à sa fille là, et qu'ils trouvent la vérité et suivent sa la vérité. Donc, quand il appelle, un Koujaou, considère Koujaouanou comme un sept, un parmi les paroles qui sont Koujaou. Alors, Koudawanour, il présente Salafia comme un groupe, et puis Jaou, il rentre dans ce groupe-là. Et je te dis, nous, par rapport, nous, nous musulmans, nous, l'islam, l'islam est donc un groupe. Alors, vous voyez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans ce hadith, il pourrait dire que dans 72 groupes, il y a également un groupe pour le haq et sa groupe de la vérité-là, c'est Salafia. Donc, Salafia, c'est un groupe. As-Salafiyya, c'est le groupe de la vérité, nous bisons à dire à ce groupe-là. Ce n'est pas nous qui formons le groupe As-Salafiyya, c'est As-Salafiyya, c'est le groupe de la vérité qui tout le temps existe. Alors, sa parole-là, c'est une parole qui libère pour un bec ou. Et faire croire comme si on invente un groupe pour dire où rentre dans ce groupe-là. Quand ce qui parle, il va là-bas, c'est Bimba, c'est Boutami, c'est Fawzan. Un grand parolama de l'époque, il cite cette parole qui crée là pour dire qu'il y a Salafia, c'est un groupe qui nous vient, le tout rentre dans sa groupe là, alors pas les sont embêtés par une fausse phosphatoire qui peut venir pour dire où nous, nous musulmans, nous n'avons pas d'aucun groupe, nous n'avons pas besoin de aucun groupe. Quand il va nous donner cette parole crée là, qu'il y a Salafia, c'est le groupe de la vérité qui nous vient, nous tous nous vient mort sur ce chemin là et nous adhérons à sa groupe là. Une autre parole qui est capable d'entendre certains de dire attention à l'eau d'Amanour, c'est un secte qui vire. C'est un secte parce qu'il manage tout dans les gamins, excepté ceux. Excepté ceux. Alors, ça c'est un prêt pour dire qu'il y a l'eau d'Amanour dans les gamins. Ce qui veut même à l'eau d'Amanour dire apporte Salafia tout dans les gamins. Est-ce qu'il livrait même ça? Est-ce qu'il nous invente sa parole-là? C'est nous en vivant ça? Ou bien ces paroles de Van Rolama? Alors, nous écoutons Van Escachon, l'eau là. Considère Van qui rendait au Salafia comme Van égaré, Van qui pas le chemin de la vérité, c'est un comme Van, principe de Ahmed Sunna wa Jamaa. C'est un commis ban, qui chose qui a aujourd'hui beaucoup de monde parlé dans des. Quand nous dire il y a un seul groupe qui l'a la vérité, et apporte sa groupe qui l'a la vérité là, tout ban des autres, je donne les gourmands, ou bien je tenais une partie des gourmands avec eux. Alors beaucoup de monde trouve ça, c'est une parole qui dure. Mais prenez ma frère et ma soeur, ce n'est pas une parole qui aujourd'hui, à l'Ouda-Wadour, qui a été inventée. Mais c'est une chose, c'est une parole, c'est un principe qui, depuis bien avant, il existait parmi Vanoulama et parmi nos Ban Salaf. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, de dire une parole nous titandée. D'ailleurs, là, « Wa madhab ahli sunnati wal jama'ati madhab qadim » ومعروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيتير مذهب أهل السنة والجماعة ستان أنسيان مذهب ستان مذهب كي ديزا إكزيستي إي دي كونو ميم أفان كي الله سبحانه وتعالى لفينكي سا كاتر إمام كي بوكو جي من زتا ديزا تابي سابان مذهب لا et Ban Madhab qui est populaire, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i et Imam Ahmad. Et il continue de dire « فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَ » C'est « Madhab de Ban Sahaba »« أَلَّذِينَ تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ » Alors quand ça va, le Sahaba a fait gagner sa Madhab là, alors il a fait gagner depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. « وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ » Celui qui contredit
sa madhabla, sa principle, كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. Alors, il vient parmi ban égaré, il vient parmi ban bidati, ban qui vient donc de bina, d'après principe de Ahl Sunnah wal Jamaa. Et ban ulama du comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة وأنها تنقسم 73 اثنتان وسبعون منها منحرفة مبتدعة بدعا لا تخرج بها من ملة الإسلام. البر علماء في كمية فتوى العربية الجية أمة سحديثة جاء حديث كنت بوبت صلى الله عليه وسلم لبفين كنكي sa umatla li vous divise en 73 parties et un seul qui pour l'Amérique et 72 pour dans les gamins pour amener vers l'enfer. Alors ben on a mal de dire sa umatla dans sa hadith là et faire référence à l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sa umatla lui même li vous divise en 73 groupes 72 là dedans je trouve dévié, je trouve un groupe qui vient égaré. Une qualité binaire qui pense ne pas pour sortir en dehors religion de l'islam. Alors, ben, qui pour égarer, ne pas pour sortir en dehors de l'islam. Je pour encore pas musulman, mais seulement, je pour être ben binaire. Je pour être ben légalement avec Dieu, et là, qui est capable, je pour. Et là, beaucoup légalement, majorité légalement. Et je pour être intimide, la vérité, et là, qui pour être. Tigit légalement et nous obéissons aussi la vérité avec Dieu, mais seulement je ne pas pour l'eau, la vérité pure, l'eau 100% la vérité, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fins amènent l'islam. Donc, ça, cette chose-là, c'est pas une, je veux dire, pas une nouveauté qui aujourd'hui nous nous permet de faire ou connaître, mais c'est une petite chose qui est banale la main depuis le passé. Bien avant, fini pour nous et fini avec nous comme ça. Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah, dit هذه هي الفرقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه. Donc ça c'est الفرقة الناجية بانك في الرسامبلي لولابيلتي qui le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient avec ça, je viens signifier l'aura et je viens mosse le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et manhaj de ce ban sahaba. Wa hum ahlu sunnati wal jama'a, wa hum ahlu hadith, al-sharif, al-salafiyoun. Alors, ça va la même, c'est ahlu sunnati wal jama'a. C'est ça va la même, ahlu hadith. Et c'est ça va la même qui se ban salafi. Alors tout ça là, c'est ban nom qui est servi dans différentes époques pour différencier ban qui la vérité depuis ban qui vient avec ban légalement. Et il continue de dire الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة وكل فرقة تخالف فهي متوعدة من النار. Alors, il dit, ben, qui vient suivre, ben, ça va vous saler. Alors, je viens boss, l'eau, ben, là, je manhaj, dans faire amal, l'eau, Coran et Sunna, dans appeler Coran et Sunna. D'après, oui, quoi, enfin, les causes menties, il vient comme il dit, oh, les prophètes, pas de chapelle, les salafis. Et les causes menties, il dit, oh, on va connaître, moi, c'est pas cher Pimba, c'est pas cher Khalban, il fait appel, les salafis. Alors, connaît qui, ça, c'était le argument qu'il est capable d'entendre. Et Al-Houdawanour, je dis, je tiens à dire salafi. Nous d'accord, déjà, je suis salaf. Nous d'accord qu'il y a ce salafi, il y a ces groupes de la vérité. Mais qui vient nous appeler nous salafi? Qui vient nous appeler nous salafi? Alors, je présente ça comme si c'était un crime d'Al-Houdawanour, quand on veut dire nous sommes salafi. Et il a même dit, quand est la salafi d'Ali Maurice? Il n'y a pas trop aucun salafi d'Ali Maurice. C'est pénal d'un mot, de pénal aucun dans les mots, mais finalement, pénal salafi dans les mots, quand vous avez limité à Maurice, quand pénal salafi dans Maurice, quand pénal salafi dans les mots, finalement, pénal salafi dans ça, les mots-là, alors que dire,
ulama jeut fin dia le série sa terme là moins salafi un tel un salafi ça c'est un bidati c'est pas nous qui vin invente ça comme un légalement ou bien principe de nous pas c'est ben salaf ben ulama jeut fin série sa langue là Bajia, nous fait la différence entre man qui la vérité et man qui en fausseté par l'utilisation de sa terme salafina. Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillahi wa ba'd. Cheikh de Baz, rahimahullah, il dit « إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس. » S'il est sincère, est-ce qu'il y a une personne qui est sincère? Quand il dit qu'il y a un athari ou bien il y a un salafi, il n'a aucun problème. مثل ما كان السلف يقول فلان سلفي فلان أثري. معيكم من سلف تبجية. هي سبعة جيسوس يلبودا والنور في زوجي في البين أبيك. وما بنا بأبجية نوهوتي. وصاب ما ينبجية سامي نتوني. شيخ دوبال بجية ساسيتي سكي من سلف تبجية dans le passé. Un tel سلفي un tel أثري. تزكية لا بد منها تزكية واجبة. Alors il dit, c'est une flatterie nécessaire, une flatterie obligatoire. Cheikh Ibn Baz veut dire, être fier à propos d'un salaf. Il est obligatoire si vous voulez reconnaître qui groupe de la vérité. Vous faites reconnaître qui c'est ce groupe-là dans qui vous avez été pour qui vous gagnez Janna, alors sans aucune hésitation, dire moi de salafi. En islam, sur l'islam, parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit فأنا والحمد لله معروف بين الناس جميعا أنني سلفي. Cheikh Al-Albani dit الحمد لله Mon connu parmi tout un djimoun qui m'a dit salafi. Mon connu parmi un djimoun qui m'a dit salafi. Ad'ou ila itiba'i salaf al-salih lisanan wa qalaman. Lidia, moi invite un djimoun. Mon fait ta'wa avec un djimoun pour suivre un précédent pieux avec mon langue, avec mon plume. Et comme ça, même cher Salih al-Fawzan, Lidia. التسمي بالسلفية إذا كان يعني التمسك بمذهب السلف ونبذ البدع والخرافات فهذا شيء محمود وطيب. Une personne appelée par la salafia, si ça signifie qu'il est grand pour lui, il est agrippé avec le madhab de man salaf, il est renonce par le bid'a. Par cette appellation-là, il est envie de faire un djimoun trouver qui li aime celui qui li a cripli avec sunna et li pas parmi ban qui fait bid'a et ban mythologie, alors ça y a une petite chose qui louable et y a une petite chose qui bon, li correct. Cheikh Salih al-Fawzan dit التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به. L'appellation salafia, s'il y a une réalité, alors pays n'a aucun problème là-dedans. أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. Mais s'il y a une simple prétention, là n'est pas permissible qu'une personne qui appelle salafi. S'il y a une simple prétention avec la langue, là n'est pas permissible qu'un djimoun qui appelle salafi. Quand il parle au manhaj de ban, salaf. Cheikh Rabi' al-Madkhali dit Wa asarru ala kalimati ahli al-hadith wa salafiyin fa innaha haqqun. Continuez à servir le terme ahli al-hadith et salafi car c'est la vérité. Cheikh Ahmad al-Najmi dit de ce côté At-tasammi bis-salafi wal-athari mubahun. وجائز لمن هو متبع
في منهجه وعقيدته وعمله للسلف. L'appellation de Salafi est athari, l'illicite et l'impermissible pour celui qui, dans son manhaj, dans son aqida, dans son action, lui peut suivre ban Salaf. Et Cheikh Ahmed al-Najmi toujours le dit, « Amma ila kan al-wahid, yutawakha manhaj al-Salaf, wa yutabi'uhu, wa yakoul ana Salafi, هذا إن شاء الله نرجو له الخير. لجيا سين بيسون إن أنتت بشيش منهج لبن سلف اسويب لي الجيا من سلفي إن شاء الله شيخ النجم لجيا إن شاء الله لنا الإسبوع لنا الإسبوع جبيان لي شيخ النجم بفر دعاء وسريكي لينا منهج السلف أنتت et les dire avec une fierté pour faire Allah plaisir, les dire mon salaf, mon salafi. Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali les dire, « Faman qala ana salafi, wa aqidati as-salafiyya, la yasihhu an yu'ab. » Celui qui dit, « Mon salafi, et mon aqida c'est as-salafiyya, nous pas capables critiquer. » Nous pas capables critiquer. Et Cheikh Moubil ibn Wadi'i lui dit, Salafi et Sunni, c'est des noms synonymes. C'est des appellations qui sont pareilles. Pour celui qui cramponne avec le livre d'Allah et avec la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'après compréhension de man salaf pieux. Et Cheikh Moubil al-Jabiri lui dit, une personne qui attribue à As-Salafiyya. Il dit, elle met sa étiquette As-Salafiyya là avec lui, sa légitimité l'éprouve. C'est une petite chose qui est en pré-permissibilité. Pour mettre étiquette As-Salafiyya avec vous, il y a une petite chose qui est prouvée par Sunna et par Ijma. Et Cheikh Moubel al-Jabiri, pas beaucoup de paroles, mon frère, pas beaucoup de paroles de mon ulama. شيخ عبيد الجابري الجية لا يكونن في صدوركم حرج من الانتساب إلى السلفية. Faudrait pas que je tienne chaîne dans une liqueur dans attribuer je à Salafia. N'a pas besoin qu'on m'a dit par la peur je tiens pire pour attribuer sa appellation de Salafia avec je. Au contraire, avec qui dit les diables, mais au contraire, les autres, la tête avec fierté, après les autres salafis. Les autres, la tête avec le nerf, dire je t'en salafis. Expose ça ouvertement, pas besoin d'y aller en cachette. Dis aller au clair, dis aller ouvertement. Voilà, ta'khudhukum fi dhalika lawma tala'im. Un bon petit chose qui j'en dis là beaucoup. Il peut payer pour lui dire. Il peut payer blâme de ma blâmeur. Alors, cher Dia, il dit qu'il ne faudrait pas blâme de ma blâmeur. Faire se réquiller. Et ça, l'appellation là. Et pour terminer les paroles, cher Koubaïd al-Jabir, il dit Min adhari alamati ahli bid'a, karadiyat al-intisab ila salafiyya. Parmi ma signe, plus flagrant de ma bidati, c'est dégoût qui se tena pour attribuer ce à Salafia. Mes frères et mes sœurs, juste pour terminer, nous disons une petite réflexion. Combien de bananiers dans sa pays là, finit une appellation, une appellation telle que, n'a pas dit qu'on appelle ce tabli diamant, mais ce n'est pas nous non. Il n'y a pas de appel à la Sunna Jamaa. Personne n'a pas dit à l'Iba, n'a pas fait 7. Combien de bananes qui ont existé dans sa pays? Personne n'a pas dit à l'Iba, n'a pas fait 7. On dit ça, le Bouddha va nous faire mettre appel à la Salafi. Le Bouddha va nous faire 7. Être honnête et sincère envers nous-mêmes.
Donc, alhamdulillah, ça c'est un leur d'argument qui est capable d'en dire, au bout d'un niba, et al-Widamanour, je appelle les autres salafis, pas gain et droit, Allah le Coran, qui n'appelle nous musulmans, le prophète Pansi et Bissaman, appellation là, le. Alors, c'est pas nous qui pligons sa vie là, qui tous savent en ulama, qui nous fait une cette parole en quantité qui nous vient, au fin d'en dire. Alors, un autre argument que vous entendez en quantité encore, le Goudawanour, c'est un sept qui fait, parce que le Goudawanour est un tasbih qui se respecte. Et le tasbih là, égaré, bidati, je t'allais même à ça. Alors, ce qui est vrai même, ça, tasbih là, c'est un tasbih qui prouve légalement qu'il y a le Goudawanour, qui prouve qu'il y a le Goudawanour, c'est un sept, ou bien ça l'engage. À part ben salafi, tout c'est ben égaré. À part ben kilo sunna, tous les autres c'est ben bidadi. Ça l'engage, c'est l'engage de celui qui vraiment l'eau hap et le suivre, les vraiment le suivre devant salaf. Allah wa salat wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Ben sakina imam, un parmi ben tâche qui ben opposant. Al-Huda wa Nour, je te mets Al-Huda wa Nour, c'est qui Al-Huda wa Nour, c'est ban qui pena sagesse, ban qui pena compassion, ban qui dure, ban qui pena souplesse, qui fait, parce qu'il peut dire un tel li en égaré, un tel li en bidati. Alors donc je dis qu'il n'est pas d'accord avec sa terme. Appel qui qu'un égaré, appel qui qu'un binati, ça, Allah tout seul qui vous fait un jugement, ça. Nous pas là pour faire un jugement qui qu'un. Alors, mon frère, il va te chercher l'imam. Est-ce que c'est seulement Al-Huda ou Al-Nour qui fait une énasse à la langue pour nous dire un tel égaré ou soit un tel binati? Alors, le guide parole de Ban Oulama. Le guide parole de Ban Oulama, comment je fais dire envers Ban égaré et dire envers Ban qui. Propage bid'a. Le comité de fatwa de l'Arabie Saoudite dit Inna Cheikh Ahmed bin Abd al-Halim bin Taymiyyah, imam min a'immat ahli sunnah wal jama'a. C'est un nom Ibn Taymiyyah, l'un imam parmi les imams de ahli sunnah wal jama'a, yad'u ila al-haqq wa ila al-tariq al-mustaqim, l'invite vers la vérité. Et il invite vers le chemin droit. Quand Nasrallah bihi as-sunnah, parmi Allah subhanahu wa ta'ala, fin support sunnah, wa qama'a bihi ahl al-bid'ati. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi fin refren ban bid'ati, et wazari' et ban égaré, wa man hakama alayhi bi ghayri thalik. Et c'est lui qui dit autre que ça l'on lit. فهو المبتدع الضال المضل. Ben savant qui peut dire, comité fatwa de l'Arabie qui peut dire, n'importe qui s'en a qui vient être opposant pour Ibn Taymiyyah, un qui vient invite vers la vérité, un qui vient invite vers le chemin droit, et par lui Allah Rabbu al-Alamin vient supporte sa dinna, vient défendre sunna, et qui vient être moyen pour repousser Ben Bid'a. Ben Bidati, alors c'est lui qui peut faire jugement. Un autre jugement, l'aurit. C'est lui qui peut dire un autre qui tient sur Ibn Taymiyyah. Connais qu'il y a une Bidati. Connais qu'il y a une égaré. Voilà, ben frère, et ben c'est qu'il a l'imam. Langage de ben savant qui siégeait dans le comité fatwa de l'Arabie. Je te permets, ben qui peut vivre opposant de Ibn Taymiyyah comme ben égaré. Qui fait? C'est parce qu'Ibn Taymiyyah. L'Ithien qui vient propage Coran Sunna et qui se fait défendre Coran Sunna et qui se fait repousser par le Bidati, alors pas capable de poser mauvais pour lui. Ne pas capable de contradire lui. Ne pas capable de venir être opposant de sa personne-là. Alors c'est lui qui vient être opposant, l'Ithien Bidati. L'Ithien égaré. Et l'Ithien qui égare Jimoun. Alors ça c'est parole, comité fatwa de l'Arabie Saoudite et comité de parole de Ban Oulama. Comme Cheikh Hamad Al-Ansari, qui fit mort l'année 14-18 Hijri, alors il dit Man waqa'a fi bid'atin
قيل له عملك هذا عمل المبتدع. C'est lui qui fait une tombe dans un bid'a. Nous tire qui te action, les actions, ces actions de ban bid'ati. وإذا أصر عليها قيل له أنت مبتدع. Et si il persiste, quand fait une série qui te action, il y a une action de ban bid'ati, de faire bid'a, fait conseiller, fait faire une tombe de l'objaloni. Mais malgré ça, il persiste dans ce bid'a, alors nous dire qu'il y a un bid'a. Nous dire qu'il y a une bidati. Ma frère, ma chère, qu'il y a l'imam. Comme ça même, Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, « فَالْجَمَاعَةُ الَّتِي عِنْدَهَا مُخَالَفَاتٌ لِلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ » Ma jamaat qui n'a pas de contradiction, qui peut contradire le Coran et le Sunna, « يُعْتَبَرُ أَمْتَمِلْ إِلَيْهَا مُبْتَدِعًا » Nous considérons juste les être considérés comme ban bidati. Isamna, c'est lui qui peut contredire le Coran. C'est lui qui peut contredire le Sunna. C'est lui qui peut inviter vers l'égarement considéré comme ban bidati. Alors, ou d'accord qu'on considère mourir comme mourir. Ou d'accord qu'on considère voler comme voler. Un dimon dit qu'aucun goût de pitié au bout de lui. Un qui peut vendre l'argent pitié au bout de lui. Mais ban voler est le digne. Ban qui permet de faire l'égarement. Ban qui permet de faire la contradiction sur le nom. Là, nous visons la sagesse. Là, va dire, nous visons doux. Nous visons, va dire, souple. Alors, ben, frère, ben, chacun a l'imam. Ça, c'est pas digne. Digne, c'est dire la vérité. Même l'hypontois, dire la vérité. Parce que la vérité, il y a mire. Cheikh Saleh, Ibn Abdel Aziz, Ali Cheikh, lui dire, كل من لم يقضي طريقة السلف الصالح في العلم والعمل والفهم والفقه فهو خلفي مبتدع. Alors il dit, n'importe qui s'en a. Il dit, n'importe qui s'en a. Qui n'est pas fait satisfait avec le chemin de Mansaraf ou Saleh. Dans la connaissance, dans l'action, dans la compréhension, dans le fait. Alors, l'IN mubtadi. L'IN mubtadi veut dire l'IN qui peut faire bid'a. Encore une fois, nous trouvons un savant qui qualifie ban qui permet la contradiction, ban qui peut contradire la vérité, c'est ban bidati. Et comme ça même encore, Cheikh Al-Faymin lui dit, كل مخالف للحق بعدما تبين له فهو باغي ضال. N'importe qui s'en a qui contradire la vérité, après qu'il s'en est clair à lui, l'IN injuste et garé. Alors donc, ma frère et ma chère, l'Iman. Dire quelqu'un qui est égaré, dire quelqu'un qui est bidati, c'est pas une petite chose qui est nouveau, moi dire, Astéra qui al-Bouda ou al-Nour, il n'a rien de sa petite chose-là, mais dire qu'il peut faire fitna avec ça. C'est une petite chose qui vient d'exister tous les temps. L'eau, parole, le ban roulama, de la vérité, ban salaf de sa ummatla. Et comme ça, M. Cheikh Fawzan lui dit, كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال. ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة. نقول كسرك في قوتي جماعة أهل السنة والجماعة لأن إجاري لأن إجاري نبأنا شنو إكسبت أنس الجماعة إكس أهل السنة والجماعة. Encore une fois, Cheikh Saleh Al-Fawzan, mais considère ban qui contredit أهل السنة والجماعة c'est ban إجاري. Et Cheikh Fawzan il dit encore, « La yaqa' fil a'arad al-ulama'i al-mustaqimina ala al-haqq illa ahad al-thalafati. » Peine personne pas attaque le nez de ban ulama qui peut signifier un mot la vérité, excepté ena, excepté un entre sa trois personnes-là, qui s'en a. « Inna munafiqun ma'aloun al-nifaq. » Excepté un hypocrite, qui se l'hypocrisie, l'y connu. Et il dit, wa imma fasiqun yubghad al-ulama'a, soit un fasiq, un désobéissant, qui est un dégoût ban ulama, à cause ban la peut empêcher de se ban désobéissance, li annahum yamna'unahu min al-fisq wa imma hisbiyun dhalun, ou soit ou bien un hisbi égaré, qui est un dégoût yubghad al-ulama'a, li annahum لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة.
ou soit un esprit égaré qui est un dégoût pour un ulama à cause qui va là pas d'accord, pas bien d'accord avec lui, l'eau sur l'esprit et se ban l'idée déviée. Alors, donc, on va faire les bannes sur l'imam. Ça, c'est parole de l'ulama. Comment on considère ban égaré comme ban égaré et ban bilati comme ban bilati? Si nous pouvons être silence, nous ne pouvons pas dire un tel est égaré, un tel est bilati. Puis ça, j'ai dit là, quand il connaît la vérité. Ça ignorera les quand il connaît qui s'en a qu'il vise à suivre, qui s'en a qu'il vise à le dire, grand son précaution. Alors, ben frère, ben soeur, qu'il y a l'imam. Alors, dit quand le béguette, comment peut toucher le nez de ben roulama? Et c'est qui malheureux, ben qui peut sortir, qui ben dit gradué, et puis ben l'université islamique, Madina, etc., qui peut prétendre qui ben taouïd. Alors, dit ce précaution pour ben roulama. Azouti, je ne peux taxer ban ulama, ça zoome les rois, ça ban agent, ça c'est ban sionisme. Alors ban frère et ban sœur qui est l'imam, basant aux paroles de Cheikh Fawzan, qui s'en a qui attaque le nez de ban ulama, c'est ban hypocrite, ban fasique. Et ban frère et ban sœur qui est l'imam, vous venez dire un tel égaré, vous venez dire un tel bien binati, les bonnes petites choses qui vous mettent un manque de sagesse, ou soit avec la compassion pour m'aider à faire croire, ou soit me dire qui ça va là, c'est pas qui dire. Alors, ma frère, ma soeur, qui est la imam, faire croire qui seul a le coup d'avoir le monde, qui n'a pas la langue là, qui n'a pas dit, mais il fait un problème, mais il fait division, pas taxer qui gagne, taxer qui gagne, comme bilati ou égaré, mais nous dire qui, alhamdulillah, oui seulement a le coup d'avoir le monde, qui n'a courage, qui n'a qu'à belle capacité pour me dire, toi tu es égaré, toi tu es bilati, parce qu'il est resté caché derrière moi. Les respects cachés peuvent faire croire qu'il t'a oublié. Et nous pouvons trouver, comment ma fiançaille peut faire des bilati. Nous pouvons trouver comment je m'as fait tomber. Alors, la cause l'unité, la cause telles affaires, la cause telles affaires, je ne peux vendre ce qui je peux dire qui soit disant de ma taouïde. Alors, mon frère et ma soeur qui est l'animal, ou dire quelqu'un égaré, bilati, alors nous pouvons trouver à travers la parole de Banamoulama, c'est pas seulement Al-Boudawanour qui nous dit ça, mais c'est la langue de tout Banamoulama qui nous la vérité, qui peut défendre la vérité et qui finit un opposant pour fausser, un opposant contre Ban qui peut contradire la vérité, qui peut contradire Sunna. Alhamdulillah, on dit ça aussi, c'est un point clair qui. De trouver dans l'attaque à l'Abu Dawah Nour, mais tout ce qui ne peut faire par l'Abu Dawah, alors, Ban Ulama, je dis déjà, Lola, ne pas capable de demander à tout qui soit nous connaît, tout qui soit nous capable de dire, mais juste un dimon égaré, ça ne pas capable de dire, un dimon ambidati, ne pas capable de dire. Oui, vrai, il n'y a pas de nous juste venir nous dire un dimon égaré, ou bien nous n'avons envie de dire un dimon ambidati, non. Par exemple, nous connaissons, par exemple, la justice, mais qui sont là, quand il y a un dire, nous visons dire, et c'est juste un kilo qui, je sais, ça, dans Gaza. Et un dernier point pour cette session-là, toujours, il y a un point qui vous donne des attaques à l'Oudawanou, Lola, et ça aussi, le présent à l'Oudawanou, quand même, qui est un fitna, qui est un sagesse, qui est un pitié, c'est à l'Oudawanou, les deux valets, à travail de Bandaï, quand il peut faire Dawa, à la Abu Dawah Nour, ce travail, c'est qu'il était une tirerie. Avec Ban qui peut faire Dawa, les attendait, peut montrer sa naine aérienne, le taille aérienne, sa naine aérienne, le taille aérienne. Alors, je taxe Abu Dawah Nour comme un. Soit-disant, c'est à cause ça, soit-disant, à cause qu'il nous existe réfuté. Alors, est-ce qu'il est vraiment Abu Dawah Nour, nous existe réfuté, est-ce qu'il vraiment, ça c'est. Un peu de cause, un peu de raison pour construire le cavalier ou comme c'est. Alors, le temps, on a marqué et la goutte, dia l'eau. Il a fait de l'ida, au salat, au salam, au rasoulilla, à ma barre, à la salle d'islam. Et sa accusation, il va à l'esprit, va à ce qui peut prétendre. Soi-disant, c'est les autres qui peuvent faire Dawa, doctrine de sa pays-là. Certainement, c'est une fausse accusation. Moi, je dis, je connais. Mais, une fois qu'on nous calcule, nous pensons,
Mais qui fait cette acquisition de ça? Parce que la réalité présente en islam, c'est que quand un Bouddha a réfuté, je gagne du mal. Quand un Bouddha a réfuté, pour bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il nous dort, Maurice peut faire da'wa, puisqu'il y a 20 ans. Chaque réfutation qu'il nous fait faire, pas fini et d'un qui est capable, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, de dire qu'il nous fait faire erreur de nos réfutations. Et la personne, je tout, comment nous dire, malgré l'engagement un petit peu dur, mais seulement nous vous indiquer pour comprendre ce qui se fait vraiment se plaquer. On se dit la part de l'assise là. Parce que elle n'a pas le mérite d'être montré en saint Madjimoun, pareil comment elle va avoir fausté aussi, mérite qui nous éclaircit et nous montrer par personne, parce que c'est un amanet. C'est pas une chose qui a voulu dire nous, il y a une satisfaction, il y a un plaisir d'en réfuter un tel, un tel, un tel. Et il y a une croix qui, nous, a voulu dire nous, par le frère, nous n'avons pas le temps pour enlever et rire, pour enlever baisser, pour enlever manquement. Devant les autres doigts. Nous venons à l'état pour faire ça en islam. Nous venons à l'état pour faire ce bon travail-là. Et nous pouvons faire ce bon travail-là aussi. Nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin. Nous pouvons faire personne. Je ne peux pas voir qui je peux faire. Mais seulement, ma frère, ma soeur, qui prend les sons et qui a envie de bandir le haqq. Et la fois que je finis, je t'envoie, qu'est-ce que ça, est-ce que ça a quelque chose de bon? Ou ça, je me pose ma question concernant l'islam, qui je finis embrouillé. Ou ça, je ne peux pas trop oublier, je ne peux pas trop comprendre. C'est à ce moment-là qui, pour répondre à sa main frère, à sa main soeur là, les gens qui, la fois, nous écoutent, qui certaines bédires et dans sa façon là qu'on trouve qu'il y a là une réfutation. C'est pas qui comment dire nous bien attendre un tel peut faire tel programme, un tel peut faire tel programme, nous mettons 10 moun pour le veiller, pour l'écouter, pour l'enregistrer, après ça nous oublions, nous pouvons faire réfutation. Jamais ça c'était nos façons de faire, nos principes. Nous disons que l'islam va financer nous ça. Mais seulement quand nous donnons une erreur, nous donnons une erreur d'ordine, quand nous disons erreur, frère, c'est en islam, concernant qui va nous faire de la vie. Ça, alhamdulillah, jamais nous faisons tout ce qui gagne sur la vie privée. Jamais nous faisons tout ce qui gagne sur le PC qu'il vient commettre pour lui. Mais si nous voulons réfuter, frère et sœur, l'islam, c'est juste qu'il nous fait réfuter, basant dans la connaissance, et nous voulons réfuter, juste ce qu'on appelle l'égorement. Et ça, c'est une petite chose qui s'arrête. N'importe qui personne qui lui servit un petit guide sur l'intelligence et trouver qui nous oblige à réfuter. Parce que si nous donnons l'exemple de la vie de tous les jours, si vous avez un garçon sur une petite fille, il n'y a pas de mordi. Qui compte réussir à ce que vous essayez de border concernant vos prétendants pour s'en prêter en belle vie? Vous vous tendez au border comment il était sa famille, comment il était son caractère, comment il était lui-même, au bout de toutes les choses.
tu fais pas parce qu'il ou bien envie, c'est qu'il y a une tranquillité, donc ou la case, ou tu fais pour soi ou garçon pour une tranquillité, donc ça la vie qu'il va faire sur la vie mariage. Mais quand il s'agit de nous laver à l'akhirat, frères et sœurs, quand il s'agit de nous laver, quand Allah subhanahu wa ta'ala, soit Jannah, soit Jahannam, est-ce qu'il s'en allait pas important pour qu'il nous connaisse quelque chose qui pour facilite nous et quelque chose qui pour faire nous tomber dans l'erreur, pour faire nous faire vivre une mauvaise vie. Alors, cette invitation, nous ne nous enfermons pas dans un grand beau grand Lola, mais en passant pour aujourd'hui, nous guettons quelques parmi les ulama qui se font dire concernant la révitation. Cheikh Al-Sam ibn Taymiyyah dit Wajaba bayan hali man yaghlaqu fil hadith wa riwaya. Il est obligatoire pour qui nous montre l'état de celui qui fait erreur de hadith ou sa de riwaya. Donc transmettre un hadith, ومن يغلق في الرأي والفتية, c'est lui qui fait erreur dans l'opinion qu'il peut partager avec le public, ou soit de son fatwa qu'il peut donner, ومن يغلق في الزهد والعبادة, et de la même façon, il est obligatoire pour qu'il nous montre une personne erreur de ban ce qu'il peut faire, une personne qui peut faire erreur dans le zuhd ou soit dans une ribada. J'ai vu ça, il continue en gros, وَكَذَلِكَ بَيَانَ مَنْ غَلِقَ فِي رَأْيٍ رَآهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّ وَالْعَمَلِيَّ. Il dit de la même façon, explique concernant celui qui vient faire errer dans elle sur l'opinion des dînes parmi une mas'ala, une chose qui concerne la connaissance ou soit concerne l'action. فَهَذَا إِذَا تَكَلَّمَ فِيهِ الْإِنسَانُ بِعِلْمٍ. Et ça, si nous gagnons une personne qui lui pose contre sa erreur qui sa personne n'a pu faire avec la connaissance, بِعِلْمٍ, avec la connaissance, alors وَعَدْلٍ, et avec la justice, la connaissance et la justice, وَقَصَدَ النَّصِيحَةَ, et il a l'intention d'aider ça. C'est le conseil. Vous conseillez ça pour maintenant. فَاللَّهُ يُثِيبُهُ عَلَى ذَلِكَ. Alors, je connais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous récompense sa personne là. لَنْسِيَمَا إِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ فِيهِ دَاعِيًا إِلَّا بِلْعَتِلْ. Et bien à doute, c'est ça qui chose là. C'est sa personne qui fait une cause mal là. Les personnes parmi les qui peuvent faire da'wa, les qui peuvent faire da'wa, et bien vite, bien vite, فَهَذَا يَجِبُ بَيَانَ أَمْرِهِ لِلنَّاسِ. Et ça est obligatoire qu'il nous montre ben jimon, non seulement ben jimon concernant sa personne, فَإِنَّ دَفْعَ شَرِّهِ عَنْهُمْ أَعْظَمْ. Parce que nous, en plus, nous repousse, ça n'est pas là le plus important. من دفع شر قاطع الطريق لبلي ان بوتون كي نو ريبوش موفي دو بان باندي سي كي فين اتاك كول او شيمان باسكو كي في باندي سي كي اتاك كول او شيمان لي بو بران او ريسيس لي بو بران لا في او كاباب مو سا ميم تو مي سي لوي كي فين كوكان او دي لي بو مين مو دو لانفير باي سون الاسلام ا كوزا لي بلي ان بوتون شيخ الاسلام بيزير. De la même façon, il y a il est obligatoire pour qui nous montrer la vérité. C'est qu'il nous oblige à suivre la vérité. Il dit même si quand nous pouvons montrer sa erreur, si nous pouvons montrer erreur qui aime parmi les ulama ou sa famille, je vais faire. Passons au savant parole des chefs de Sam ibn Taymiyyah, nous trouvons, il dit à bien faire Bayan. Et la personne qui peut faire sa Bayan, qui peut montrer sa manière là, qui peut réfuter sa manière, sa manière là, sa personne là,
li bukan savoir pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une chose qui est inventée. Et c'est du plus drôle en confession d'islam. Ça va nous être venu les dire où Banna Konzis répété Karatin tantôt. Mes frères et sœurs, Abou Tawanour, vous connaissez très bien la plus bonne de Ban Bayan, c'est l'explication. Mais mon prédit, qui concerne les sons énormes. Aujourd'hui, au bien de Allah subhanahu wa ta'ala, ban bienfait de Covid-19, fin montrer où, fin vite une preuve aujourd'hui, parce que dans ce pays-là, mais mondialement, il fin venu, qui tente ses connaissances, fin traversées. Et pas bien de Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'elle nous l'a pris, tout faveur, il retourne juste vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui tente ses personnes, c'est plus patikon, elle nous d'avoir nous, patikon d'awa, elle nous d'avoir nous, pendant le confinement. Je viens contre Da'wa al-Hudawanour, je viens coster avec sa Da'wa là, et je viens connaître al-Hudawanour. C'est pas qu'il sort, c'est qu'il se peut tendre, c'est qu'il dit qu'il peut verser dans une oreille, qu'il peut faire wassi-wassa dans une oreille. Je viens connaître al-Hudawanour. C'est une équipe, c'est qui sincère, une équipe, c'est qui a la justice, une équipe qui peut faire Da'wa, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas peut faire Da'wa pour gagner le nez. Pas faire d'awa pour gagner kit, richesse, pas faire d'awa pour passer bon avec que ce soit qui s'en a pas mis, bonne personnalité dans ce pays-là. Al-Hudawanour, il est loin du tout. Al-Hudawanour, nous là, nous présents, c'est juste pour faire d'awa al-haqqa. Et ce qui est plus comique, faire sans islam, ça va une personne, c'est qui? Je peux dire Al-Hudawanour, consiste, faire réputation. Je t'espère, c'est juste révité. Mais frère, c'est en islam, c'est qui plus drôle. C'est qui plus drôle. Ou écoutez, ou trouvez, chaque semaine, quinzaine de masjid, il n'a pas 20 masjid. Al-Hudawanour, Béfé, Dawa, Béfé, Khoutba. Comme il y a un Khoutba, il y a une révitation là-dedans. Mais il y a des gens qui disent ça, qui disent, je t'espère ça. Cause Al-Hudawanour, Domimba. Et il y a des gens qui se servent pas toi. Disent, cause Al-Hudawanour. Virer, tourner, ils n'ont pas gagné de combat. S'ils n'ont pas cause à l'Hudawanour. Et quand nous guettons qu'ils ont fait causer frères sans l'islam, qu'ils ont fait réfuter. C'est pas réfuter, pas une petite chose banale. Pas une petite chose, c'est qu'il fait dans quel fondement. Je vais cause concernant qui sont capables de causer. Mourir à qui mon père fait, et rien qui mon frère peut faire, et rien qui mon frère son madame, et rien qui mon frère son maman, son papa peut faire. Sa qualité là, je peux éviter, frère, sans l'islam. Mais oui, et rien nous dit, a dit, haut et faux. Nous ne sommes pas ensemble, nous faire errer. Nous pouvons continuer à errer de nous la vie, mais seulement nous faire zéro pour ne pas faire errer, pour ne pas tout empêcher. C'est si ça tout seul qu'ils ont bien trappé. Mais légalement, par l'Hudawanour, montrez-nous illégalement, nous ne pas dire ça, pas flatterie, pas fantaisie, nous ne dire ça. Mais nous, frères et sœurs d'Islam, il faut qui s'en a, qui les connaît, qui les fait prouver, que l'Hudawanour, il peut faire errer dans l'Aqida, il peut faire errer dans Manhaj, il peut faire errer dans Dawa. Nous vous comptons, frères et sœurs d'Islam, parce qu'il nous connaît gravité. Nous connaît gravité, c'est qui? Si Dimoun peut suivre nous, Dimoun peut écouter nous les sons, et nous bien dit, je peux poster. Nous pouvons s'envoyer sa pécé là, amen. Jusqu'à quand Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous va prêt pour faire une fraise sur l'islam. Ça nous va prêt pour faire des. N'acceptez si nous faisons erreur, mais vite montrer nous erreur, comme erreur, vite montrer nous un légalement qui nous peut faire. Nous vous prévenons pour remercier ces autres. Nous vous prévenons pour rétracter l'Ola. Et on vous oublie clairement, frères en islam, dans nos sites internet, ENA. ENA. Et une place que nous sommes capables d'entrer. Quand nous venons rétracter avec un élire qui vient traverser dans l'antique qui vient aller, dans le programme qui vient glisser. Dans rectifications. Nous faisons les paix en islam. Quand nous mettons encore, par les ulama qui se font dire, l'imam ibn Rajab, Rahimahullah ta'ala, dit, il faut
فالواجب على كل من بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة. Lisia, les petits sont là bien lourds du prophète, du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui arrive jusqu'à lui, et les fin conseils obligatoires au lit pour qu'il explique sa lourde à sa ummette-là. Les conseils vont lui donner pour suivre l'ordre du prophète, même si ça est en contradiction avec l'opinion d'une grande personnalité de sa ummette-là. يجيب كيفيه فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يعظم ويقتدى ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. يجيب كيفيه باسكي لوت مساجد الله محمد صلى الله عليه وسلم لبي مريد نؤلولي نسويف لكي لبيون يقول كيسانا qui Benjamin est dans l'admiration pour lui et qui part errer, il finit arriver contredire l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans certaines choses. Et il dit, comme il m'a dit, les sahabes et les gens qui sont les ulama, à la culle man khalafa sunnatan sahihatan, wa rubbama aghladu fi raddi. Il dit, c'est ainsi, Ibn Sahaba radiallahu anhu majma'in, et ben ulama, après banna, je vais répéter n'importe qui s'en a, qui fait contredire un sunna authentique, et parfois banna, qui est dur dans une révitation. De la même façon que bien, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, فَمَا زَالَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَ. Il dit, de la même façon, il dit, ben sahaba, et ben après, je vais toujours répondre, c'est lui. كيف انتم كيف خالف واخطا كائنا من كان ولو كان اعلم الناس واتقاهم زوفين ريبوف بل بيرسون سي لوي كيف انتم دان كونتراديكسيون او سوا فين فيا ايريا ميم كي سانا لي كابار اي ميم سي لا بيرسون ني تي ان كي بلي اي نا بليس كونيسونس اي جي نا بلي بوكو تابوا اي لي جي واذا كان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إذا الله سبحانه وتعالى في نواه للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم avec la guidance et avec دين الحق وأمرنا باتباعه et من أولد نكسيبني وتاك من خالفه et ممكن كيف من كفي أبوزني فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه. Il dit, si dans sa façon-là, parmi sa différente partie intégrale, qui c'est lui qui porte ma ulama, les fins arrivées contredire le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les bévères errer, il y a une moukhti, il y a celui qui bévère errer, et bizarrement montrer les errer et répondre sa errer-là. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, wa mata sakata ahlul haqqi an bayani akhtai moukhti'i. Il dit, quand Bandilo la vérité, mais pour quand je ne pas dénonce erreur de Ban qui peut faire erreur, ou Abdelat al-Haditin et Gaf qui Ban qui peut faire Gaf, ou Lamiak Solvin ou Ma Amaradar Bi, min al-Gawaji, il a le Khayli ou l'Amri bil Ma'ruf ou l'Nahi al-Munka. Si je ne peux pas faire ça, alors je connais qui je ne peux pas faire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne ce. En ce qui concerne faire d'avoir envers vers le bien, on donne le bien et empêche le mal. Il dit encore, chez lui, Baz, rahmatullahi alayhi, Amma man tamassaka bil haqqi wa da'a ilayhi wa awdaha butlana ma khalafa. C'est lui qui les fait attraper, les fait comprendre avec la vérité, et les fait inviter vers ça, et les fait faire vite au clair, les fait expliquer fausser au clair. فَهَذَا لَا لَوْمَ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ مَشْكُورٌ وَلَهُ أَجْرًا. Ça peut être un peu de blâme pour lui. Peut être un blâme pour celui qui peut répéter sa manifestation. Au contraire, il dit, ça peut être un peu de remercier lui. Et ça peut être un peu de récompense à gagner. Son récompense qui est doublée. Chez lui, il dit, voilà où ça peut être un peu de l'âme. Si, par exemple, la vérité, je reste tranquille. Un bayanini, bon, c'est un an. Explique, fausté, l'estamar pal-mukhti'ouna ala akhba'ihim,
Bangsa di PPAPC berkunci risau zut PC. Wa qala lahum hayruhum li zut musib zut fi dhalika musib zut lula. Wala as-saqiduna bi ismil kitami'a kitmani tadi tawa'adahum Allah alihi li qawli. Et ça va bien sonna. Zut ku reporti lo PC qui Allah subhanahu wa ta'ala li finna. Que Allah subhanahu wa ta'ala fi menasa, mi menasa de pausa, dans sa parole, dans le Coran, qu'on dit Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda, celui qui dit qu'accepte, celui qui accepte un peu clair, après qu'il a guidance, après qu'il a un peu clair, un guidance, fin vin kutli mi ba'di ma bayyanna ou l'innasa, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala fi menti clair, vim un jimon, fil kitab, dans le livre, ou la ika yal'anhumullah. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ سَبَلْنَا Allah subhanahu wa ta'ala envoie malédiction aux autres et aussi envoie malédiction aux autres. Prince en islam et la malédiction c'est qu'accepte la vérité et c'est pas informe fausseté et la malédiction c'est à cause ça c'est ça même qui nous dit où c'est concernant amanat qu'Allah subhanahu wa ta'ala les filles de nous, les chefs de base, les paroles, les filles nous connaissent. Si Ahl Sunnah reste tranquille, et je vais mettre au clair ma guerrière, c'est qui veut contredire Kitab Sunnah, pour ça, nous pour, comment dire, ressembler à Ahl Kitab, ban qui fin gagne, ban qui fin égaré, et ban qui fin gagne, pour l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux autres, chez vos amis, nous disent, يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ لأن بيان الحق أمر واجب إذا سلوك في انتقى في انتقوم أن يغير أن فلك في نتقوميز أن ترومبان سيبا بأو إكسبريك في انتقوميزا Ça éveillera des personnes, même si les pas les bons grands ulama, ils y avisent ainsi à l'attention des bonnes personnes. L'eau, ça éveille les bonnes personnes sans pas exprès là. Parce qu'ils montrent la vérité, il y a une petite chose, c'est obligatoire. Cheikh Saleh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit Wa bayanu al-khata'i wajibun, wa laysa hadha min akli luhum al-ulama. Et j'y ai montré et rire, ça c'est une obligation ça. Et ça n'est pas parmi qui, comment dire, les considérer qui nous fait manger la chair de Ban Ulama, qui, comment dire, nous peut faire ce ribat, nous peut faire ribat de Ban Ulama. Il n'est pas dit tout ça, qui chose ça. C'est le Cheikh Fawzan, il veut dire nous. Et comme ça même fait son islam, Cheikh Fawzan, il y a plusieurs pour les autres paroles, les dire, il nous pas gagné voir les tranquilles l'eau là. Au contraire, un mot de ma parole, comme un petit peu aussi que Chouha Nuhab, ou quoi, il parle de l'ilm, il dit qu'il y a un redout. Est-ce qu'un celui qui pêchait à sa connaissance, un étudiant qui pêchait à la connaissance, est-ce qu'il nous capable de blâmer, s'il peut faire beaucoup réputation? Alors, sachez que vous en dites là, Nuhab, ou bel Nuhab, ici, nous, non, il n'y a pas être blâmé à cause ça, mais il y a récompensé pour ça. Et pour ça, parole de la paix sans l'islam, ça m'est dit, nous devons servir sa parole là pour dire oui, soi-disant, l'eau sa parole là qui nous réfute, non frère sans l'islam, toujours nous réfutations, les tibites pour parler avec quantité, messages d'explication, quantité bayat, quantité d'awa que nous faisons. Mais seulement, quand nous réfutons, moi nous venons dire, maintenant vraiment je gagne du mal, vraiment je gagne du mal. Et pas bien, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, personne n'est pas capable, mais réfute-nous, l'eau quitte dans la la. Cheikh Rabi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la santé. Il dit, « Wa lam yaqib a'immatu sunna inda nafadi wa stinkari wa la la li ahli qalal. » Il dit, « Man ulama, man imam de sunna, zubafin arrêt zis avec critique et condamne. » Bonne personne qui dort légalement. Je ne veux pas finir ici, là. Il dit à Bel, déjà, mais seulement je viens dépasser ça. Et là, n'a pas dit l'ulama, c'est ça qui je viens critique, mon ulama. Je viens critique, mon ulama même. Il y a plusieurs frères en islam. Il y a plusieurs bonnes points, ce qui est là. Et ça, c'est, bonne
man erreur, c'est qu'il s'est atteint de son fait. Par exemple, la parole c'est dit, par exemple, chez Albani, il dit concernant chez Bimbas, concernant certaines actions, à Tastamé, après recours, et dans certaines paroles c'est qu'il chez Bimbas, il dit au chef Albani, concernant madame, je veux dire, concernant Aura, tout ça. Alors ça, et dans certaines c'est dit, je peux n'en pas vous dire, mais quand vous servez chez Albani, il vous dit au chef Bimbas, il répète. Quand vous servez chez Bimbas, il dit au chef Albani, il répète. Alors je suis. Je paye dans ce qui appelle la justice dans le frère son islam. Il n'y a plus jamais d'exemple comme ça. Mais seulement pour les frères son islam, dans la zone de Jésus, pour montrer ce qui je aidé. Et chacun je t'ai dans une récompense. L'eau, décision, l'eau, l'opinion, ce qui je viens amener. Mais seulement dans ce qui je vais leur dire. Banna bidaki et surtout man hispi, je suis avec sa parole là, je servis, je amène certaines ma parole et les autres ma parole, je donne dans moi. Et aujourd'hui, dans sa programme là, je me pose concernant sectarisme, concernant man ulama, c'est man ulama ce qui vient vivre parmi nous-mêmes, c'est man ulama ce qui vient de dire, soi-disant je t'en dis, mais seulement mon fils d'un livre, père, fiançaille, t'as l'air bien à mariage, avec man bidaki, avec Morana, t'as l'air bien à Alors ça, le Cheikh Rabi al-Madhhabi dit, il dit à la rassie, kibar ul-ulama i sunnati wal hadithi fi akhtaihim, les yeux et parmi, et commençant, ben l'ulama, je viens faire ça, commence par un grand ulama hadith, fin causé concernant Imam al-Bukhari, fin causé concernant Imam Muslim, fin causé concernant Imam al-Tirmidhi, les autres ulama fin causé concernant, mais qui fait aussi pour la vérité, pour comprendre la vérité, pour m'aider, et dans certaines places, et dans certaines ulama, je viens faire certaines erreurs, et les autres ulama fin montrer, alors frère, c'est en islam, montrer la vérité et montrer qu'une chose qui est fausse, c'est qu'une chose qui est dans l'idodine à l'islam, nous dit qu'il enseigne nous, ben sahaba qui montre nous lit, ben ulama qui enseigne nous lit, et il y a beaucoup d'exemples, ben sahaba, et il y a plusieurs exemples d'une des opposés là, comme Madame Mina, quand on se demande qu'il y a un fan, j'ai dit à 4 à 4, ben sahaba, il y a dit non, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais bayan, malgré qu'ils ont fait cela, tu es dit, pour pas casser. Pour pas qu'à sa main, je ne fais cela d'Eli, mais seulement quand je viens faire mention, ça peut rester dans l'Umma qui a dit il a fait son islam. Alors, ça va y en a, il y a un beau temps pour faire, et c'est lui qui peut faire Bayana, et la récompense à gagner l'Ola, appelle les réputations, et la récompense à gagner l'Ola. Par contre, maintenant, je tâche de dire qu'il soit disant à vous d'avoir nous, qu'on existe réfuté, mais quand il y a d'autres côtés, comment dire, je ne veux pas qu'on réfuté, je ne veux qu'on existe réfuté à vous d'avoir nous. Quand nous vintons banna révite, banna barilui. Quand nous vintons banna révite, banna ban tabli jamatan deo bandi. Quand nous vintons banna révite, ban khawari. Pena parce que je t'ai naturellement caractéristique de khawari. Je vais faire l'alliance avec man ce qui doit vidra. C'est qui nous ban faire, c'est qui nous ban grand parent, c'est qui fin vini fin la guerre la consacre au vide dans sa latère maurice là. Et n'a fin gain canot de ma zit jumamos, fin sorti la cause d'au vide. Aujourd'hui, PC résiste à Jimoun Nationaux, Imam Abdur Rashid Nawa, PC résiste son nom. Mais seulement, ce da'awa, je ne peux pas faire. Mais servir nous, frères en islam, pareil comme Ahlé Dek, fin servir, sunna jamal, pareil dire qu'on ou peut servir, je peux servir, quitte ton guide, alors je ne finis vite ton guide, je ne finis vite dans la vérité, fausse frères en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il montre nous la vérité comme la vérité, et il fait nous suivre la vérité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il montre nous fausseté, comme fausseté, et il fait nous rester avec fausseté, wa sallim ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullah khair. Alhamdulillah, une petite explication pour manger et